Ma boss veut vous voir. Dis à ton boss que je ne veux pas la voir. Apparemment, vous ne savez pas qui elle est. Qui est-elle? Je t'en prie, colle-moi la paix. Où est-ce qu'il est? Madame, il m'a demandé qui est mon boss. Vraiment? Ok. Ouvre la portière. Je vais aller le voir personnellement. Salut. Quel mec! Tu sais, tant que tu resteras dans cette ville, tu ne pourras pas du tout m'échapper. Ève, mon amour, comment te sens-tu aujourd'hui? D'après toi, comment est-ce que je vais aller? Oh... Est-ce que t'es toujours fâchée contre moi? Oh, mais arrête! Tu veux m'embaumer dessus ou quoi? Tu sais... De toutes les façons, j'ai un cadeau pour toi. Quel genre de fringues as-tu empalé dans ce sac? Non, en fait, ce ne sont pas des fringues, c'est juste de la bouffe. Oh, c'est pas vrai. J'en ai marre que tu me ramènes tout le temps des fichus repas que je n'aime pas. C'est comme ça que la dernière fois, tu m'as ramené du curry et du tuba, et je l'ai d'une affamée. De toutes les façons, Ève, je suis navré. J'ai encore du travail au bureau, ok? On suivra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Tu n'as qu'à l'ouvrir toi-même et tu verras. Écoute, évite de me stresser. Si tu ne veux pas me dire ce que contient ce sac, ramasse ton sac de merde et bats-toi d'ici. Va-t'en. D'accord. Comme je te l'ai dit, j'ai encore beaucoup de travail au bureau. Il faut que Attends, Mike. Regarde-moi. Vas-y, prends le temps de bien m'observer. T'es déjà sorti avec combien de filles classes comme moi, au point de me manquer de respect, t'es stupide? Ève, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Est-ce que c'est parce que je t'aime? Prends ça comme tu veux, ouvre-moi ce, je ne sais pas trop quoi, et montre-moi ce qu'il contient. Ah! Si tu ne peux pas l'ouvrir pour voir ce qu'il contient, alors jette-le. Essaye donc un peu, je suis sérieuse. Ouvre-moi ce sac et montre-moi ce que tu m'as acheté. Ça ne va pas ou quoi? Si tu pas d'ici, je le fous à la poubelle. Donc tu ferais mieux de l'ouvrir et me le montrer. Tu veux vraiment savoir, regarde ça. Je t'ai acheté du Djebougari. Oh! C'est très appétissant, regarde. Oh mon Dieu! Très appétissant ce Djebougari. Oh non, ne l'ouvre pas, je n'aime pas son odeur. Ouais, oh non! Mais pourquoi? Monsieur, je suis fatigué. Ça fait plus de 3 heures que je vous conduis dans cette ville. S'il vous plaît, ça fait plus de 3 heures que je vous conduis. Je m'arrête ici. Nous ne sommes pas encore arrivés à la destination. Monsieur, je ne vais plus nulle part. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ça fait plus de 3 heures. Je suis fatigué. Je t'en prie. Savez-vous combien on paye? Je sais, mais je ne suis pas encore arrivé où je vais. Je ne bouge plus. Je t'en supplie, s'il te plaît. Tu ne me connais pas. S'il te plaît, ne fais pas sortir. Attends. Attends. Oh, tu sais quoi? Démarrer. Et je te promets que je vais te donner 10 000. Je vais te donner 10 000. Juste le temps de changer mes dollars. Dépêche-toi. Ah, Mike, merci. Chai. J'ai faim. C'est ici? Tu es sûr que cet homme pourra nous aider? Oui, je vous l'ai dit, c'est mon client. Cet homme de mes clients vient souvent ici. Il va changer vos dollars. Un instant. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, je cherche Hassan. Oh, Hassan? Oui, monsieur. Hassan n'est pas là pour le moment. J'aurais voulu le voir. Oui. Emeka! Mekous! Emeka! J'ai appris que tu avais voyagé. Quand es-tu rentré? Ah, c'est vrai. Je viens juste de rentrer par la force des choses. J'ai été rapatrié. Tel que tu me vois ainsi dans mes bagages, il n'y a que 1000 dollars et c'est tout ce que je possède. Oh, Mekous, je suis vraiment désolé pour toi. Ça va. S'il vous plaît, vous pouvez entrer attendre Hassan pendant que j'essaie de l'appeler. S'il vous plaît. Mais avant, il faudrait que je paye ce gars. Ah. Combien ça fait? Ça fait juste 10 000. D'accord, c'est bon, c'est bon. Apporte mes sacs. D'accord. Allons-y. Mais écoute ça. Waouh, mais... Allez. Ah non, c'est bon. Comment tu vas? Mais écoute ça. Oh. Je suis très belle. Je suis sexy. Je suis riche. Et je suis super intelligente. Mais quelle combinaison. Belle, intelligente. Oh. Je suis nouvelle dans la ville. Les vieilles choses sont derrière moi à présent. Il est temps de donner à mon corps ce qu'il ne fait que réclamer. C'est l'art de m'éclater comme je veux. Comme jamais. Oh. Coucou, bel homme. Oh. La prochaine fois que je te verrai, je t'apprendrai qu'on ne tourne jamais le dos à une très belle femme. Ah, ça jamais. Oui, entrez. Oh. Madame, c'est prêt. Très bien. Kaka? Madame. Te souviens-tu de ce mec? Tu sais, celui pour qui je suis descendue de la voiture la dernière fois. J'aimerais que tu me trouves toutes les informations sur sa vie. Okay. Ainsi que les moindres petits détails, ok? À vos ordres, madame. C'est parfait. Excusez-moi, madame. J'aimerais dire quelque chose. Vas-y. Madame, je ne pense pas que vous devriez perdre votre temps avec ce mec. Je le trouve un peu louche. De plus, ce n'est pas votre genre. Je connais les hommes de cette ville. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de chercher de jolies filles friquées. Juste pour se faire des sous. Et comment connais-tu mon genre? D'après toi, qu'est-ce que j'attends d'un homme? De l'argent? Je suis tellement pleine aux as. De plus, personne ne t'a demandé ton avis. Contente-toi de faire le nécessaire, ok? Je suis désolée, madame. C'est compris. Je suis nouvelle dans la ville. Et je suis là pour me faire plaisir. Et c'est tout. Tout est dit. Tu peux prendre ma mallette. Allons-y. Prends ma mallette. Allons-y. Hey! Hey! Comment vas-tu? Je vais bien. Ça te dérange si je te dépose? Où que tu ailles, je peux t'emmener. Non, s'il vous plaît. Merci. J'insiste. Zubi, tu vois ce que tu as fait? Tu vois ce que tu as fait, n'est-ce pas? Zubi, ramène-moi ma voiture! Ramène-moi ma voiture tout de suite! Oh, mince alors! Écoutez, laissez-moi juste vous déposer. Mon nom est Emeka China, hein? Ce nom ne me dit rien du tout. Savez-vous qui je suis? Eh bien, laissez-moi vous épargner les détails. Je m'appelle Yves Diala, la fille unique du sénateur Diala de la Fédération. Comprenez-vous maintenant pourquoi je ne veux pas vous connaître? Ok, je suis désolé, ok? Ils sont bas. Aïe. Idiot, ils pouvaient au moins me supplier. Ah! Excusez-moi. Écoutez. Laissez-moi vous offrir un verre, d'accord? Vous savez quoi? J'aime les mecs audacieux et vous venez juste de marquer un point. Allons-y. Hey, beau gosse, comment on se retrouve? Je vous demande pardon. C'est ce qu'on vous a appris? Sauter sur tous les mecs dans la rue et leur faire du rentre des dents? C'est très irrespectueux. Je ne m'adresse pas du tout. Je m'adresse à vous. Vous savez quoi? Je ne vais pas du tout me rabaisser à parler avec vous, ok? Rien qu'à vous voir, c'est très évident que vous... Vous ne valez que d'elle. Non. Peu importe. Comment s'appelle encore cette femme noire super riche? Allah qui dit à Wanabi. Hey, c'est à vous que je cause. Et c'est mon homme. Appelez-moi, ok? Attends, tu ne vas pas me manquer de respect en prenant cette carte. Bébé. N'ose pas. Écoute, écoute, écoute. Ne laisse pas. Hé, 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 hé. Tu ne vas pas te laisser emporter pour si peu, hein? Je te parle là. Que peut-elle m'offrir? Regarde-la. Elle est superficielle. Calme-toi. Tu en es sûr? Fais-moi confiance. Allons-y, ok? Entrons dans la voiture, on bouge. D'accord. Ta magie a finalement opéré. Pourquoi dis-tu ça? C'est de l'alchimie. L'alchimie, tu dis? Eh bien, t'excites l'homme nu qui a suré dans une chambre d'hôtel. C'est bon, je dois reconnaître que tu t'y connais. Tu vois, c'est pour ça que tu as besoin de moi dans ta vie. Et pour? Pour te donner du plaisir tous les jours. Oh, vraiment? T'es si impossible. Maintenant que tu m'as eu, c'est quoi la suite? Eh bien, je pense que t'es la femme avec laquelle je souhaiterais vivre pour le restant de mes jours. Bébé, je suis accompli. Au moment où je te parle, j'attends la livraison de 6 conteneurs d'ici la fin du mois. Et j'ai d'autres affaires qui me donnent de l'argent chaque week-end, donc... T'inquiète pas, je suis là. Oh, sérieux? Eh bien, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi et j'aimerais que tu me répondes sincèrement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que je te plais? Parce que t'es élégante, belle et intelligente. Bien. Je pense que tu me plais bien toi aussi, mais détrompe-toi, ça n'a rien à voir avec ta richesse. Mon père est un milliardaire, arrête ça. Je sais qui est ton père. Et je n'ai jamais manqué de rien de toute ma vie. Bien, je sais qui est ton père alors. T'inquiète pas, t'es à moi et je suis là. Ok? Ouais. Ouais. Il y a quelqu'un à la porte. Ça peut attendre, bébé. Je ne pense pas que ça soit important. Tu disais? T'inquiète pas. Je n'irai nulle part. Va juste voir qui est à la porte. Ok. D'accord, bébé, si tu le dis. Viens là. J'arrive! J'arrive. J'arrive. Waouh. Ève, mon ange, c'est bon, tu t'es calmée? J'ai mis tellement de temps pour ouvrir. Qu'est-ce qui te prenait tout ce temps? J'étais à la cuisine. Oh, la cuisine. Ouais. Bébé, je suis venue pour qu'on parle. Non, non, on ne peut pas parler maintenant. Je t'ai dit que j'étais à la cuisine. Je fais à manger. Pas de problème, je peux attendre. Non, non, tu ne peux pas attendre, Mike. Tu ne peux pas. Malo, Colin Squad 9, pourquoi est-ce que tu m'embêtes, hein? Je t'ai dit que je vais la ramener. Je ne vais pas m'enfuir. T'inquiète pas, je te la ramène, hein? D'accord. Oh. Tu sais quoi? Vas-y. Quand je serai disposée à parler, je t'appellerai, ok? Pourquoi est-ce que t'es devenue aussi sévère envers moi depuis que t'es tombée enceinte? Mike, ça c'est mon problème avec toi. Tu ne comprends pas quand c'est un oui ou un non. Mais va-t'en, pars. Qu'est-ce que... Écoute, As-tu perdu la tête? Mais va-t'en. Mais va-t'en, Mike, va-t'en, je vais t'appeler. Oh. C'est toi, bébé. Ça va? Ouais, ça va. Je t'ai entendu parler à quelqu'un. Le gardien. Tu sais, c'est toujours pareil avec lui. Peu importe combien tu donnes à ce mec, il n'est jamais satisfait. C'est bon. J'ai eu un appel du bureau des douanes. Ils ont urgemment besoin de moi pour mes affaires, donc il faut que j'y aille. Oh, bébé. Hein? Je reviens. Vas-tu revenir? T'es sûr? Je reviens, d'accord? Tu vas me manquer. T'inquiète pas, je reviens, d'accord? D'accord. Très bien. Je t'aime. Moi encore plus. À tout à l'heure, hein? Ouais. Au revoir, bébé. Allô? Allô? Oui, Emeka à l'appareil, vous m'avez demandé de vous appeler. Emeka? Oh! Oh, celui avec la copine dérangée, c'est lui, Emeka. Bien, je suis toujours où vous m'avez laissé, tous les deux. Mais je m'apprête à partir tout à l'heure. Alors, si ça te dit, passe me faire un coucou. Ça marche, alors. J'attends que tu arrives. Emeka, ce mec têtu est super mignon. Il s'est finalement décidé à me donner son nom. Ça commence à devenir intéressant. Wow. Hey, enfin, tu es là. Bonne arrivée. Tu es vraiment très belle. Merci. Je suis navrée pour l'autre jour. C'était une journée difficile. Ce n'est pas grave. Je savais qu'on allait finir par être des amis. Pendant qu'on y est, j'irai droit au but. J'adore les beaux mecs. Et toi, tu me plais particulièrement, je ne sais pour quelle raison. Wow, tu as réussi à me faire rougir là. Il n'y a rien de mal à rougir. C'est un mensonge, c'est ça? Oui, ça l'est. Dis-moi. Est-ce que ta femme te laisserait-elle aller en croisée avec moi pendant 2 jours? Ma femme t'a dit? Écoute, je suis un homme, ok? Je peux faire tout ce que je veux. Je suis un adulte, j'ai des entreprises et des affaires partout dans le Nigeria et en Europe, donc ma femme n'a rien, elle n'a pas la parole. Bien, je suis la directrice de Gigi Cosmetics. Mais je ne me vanterai pas pour autant. Ok? Peux-tu arrêter de me parler de tes affaires? D'accord? Si ça ne te dérange pas. Parce que je suis très sûre que tu n'as pas 10 millions dans ton compte. N'est-ce pas? D'accord. S'il vous plaît, rappelez plus tard. Pour le moment, elle est occupée. Bien. Je t'ai invité ici pour te courtiser. Alors, Laisse-moi faire la conversation. Ok. Voleuse! Sale pute! Comme ça, tu as cru que tu pouvais me le piquer, c'est ça? Sais-tu qui je suis? C'est qui, toi? Sais-tu la fille de qui je suis? C'est qui ton père? Rappelle-le-moi. Dis-moi. John, s'il te plaît, t'as pas besoin de faire ça. Tu sais quoi? Peux-tu lui demander de partir? Sur le champ. Que fais-tu là? Ne vois-tu pas que nous sommes occupés? Non, mais c'est clair. Je suis pas aveugle. Je peux voir que t'es occupé. Et occupé à faire quoi? Si les vigiles ici ne veulent pas faire leur boulot, je veux que tu fasses le tien. Fous-moi cette sorcière hors d'ici. Ok, madame. Écoute, si tu me touches, je m'assurerai que tu finisses ta misérable vie en prison. Vas-y! Mon père fera fermer cet endroit. En fait, il fera boucler toute cette ville. Madame, sortez, je ne veux pas utiliser la force. Chérie, lève-toi. Allons-y, je n'ai pas envie de m'énerver. Je fais l'effort de ne pas sortir de mes gonds. Lève-toi et rentre-toi à la maison. Bébé, je n'aime pas ce que tu fais là. Tu me mets dans l'embarras. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, si tu essaies de sortir d'ici, tu ne vas pas aimer. Alors assis-toi. Je ne plaisante pas. Lâche-moi. Tu ne sais pas qui t'as à faire. Pétasse. Laisse mon mec tranquille. Lâche-le. Lâche-le. Ah! Bonjour, beauté. Mon rayon de soleil, debout. Oh, qu'est-ce que c'est? Je t'ai fait un petit déj. Oh, mon Dieu. C'est si adorable et romantique. Merci. Merci. Je t'en prie. Tu sais... Tu sais comment me faire sentir très important. Dis-moi ce que je ne sais pas. Vas-y, goûte. C'est toi qui l'as fait? Tout seul. Waouh. C'est délicieux, j'adore. Merci. Je suis content que t'aimes ça. J'adore. Rejoins-moi. Oh, il faudrait que j'aille d'abord finir la vaisselle. Laisse ça au domestique. Ok, très bien. C'est moi compagnie pendant que je mange. Ok. Ça marche. Dis-moi. Où as-tu appris à cuisiner ainsi? Eh bien, ma mère tenait un petit restaurant à Annaba. Sérieux? Waouh. Elle a fait du bon boulot. Élevée, un très beau jeune homme. Et qui met toutes les tâches ménagères en plus. Tu me flattes là, tu le sais, n'est-ce pas? C'est vrai en plus. Je veux dire, depuis que tu es dans cette maison, tu ne cesses de me surprendre avec les petites choses que tu fais. Ça me touche. Merci. Eh bien, puisque tu travailles pas aujourd'hui, j'aimerais beaucoup t'emmener faire les boutiques. Bébé, je t'ai dit que j'ai tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. J'ai des voitures, des vêtements, des bijoux, toutes ces choses. La seule chose que je n'avais pas, c'est l'amour. Je l'ai à présent. Tu sais... Lorsque je t'ai rencontrée, je ne pensais pas pouvoir trouver l'amour à nouveau. Je pense que je suis retombée amoureuse à nouveau après 7 ans. Je pense que je suis éperdument amoureuse de toi. Écoute, ça m'est égal de qui tu peux être ou encore d'où tu viens. Mais... Tout ce que je sais, c'est que je suis tombée dans les filets de l'amour. Je veux dire, je te voulais juste pour 1 ou 2 nuits. Mais aujourd'hui, je suis là à te dire que je t'aime sincèrement. J'espère que jamais, jamais, tu ne m'abandonneras. Je te le promets. Jamais de la vie. Je ne t'abandonnerai. arrêter, s'il te plaît? Il faut te calmer et me parler. Qu'est-ce qu'il y a? Lizzie, ma mère est en train de mourir. Oh, je n'ai même pas un centime pour sauver sa vie. Qu'est-ce qui arrive à maman? Mais parle-moi, qu'est-ce qui arrive à maman? Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. Hé, Ève, je suis vraiment navrée, je suis navrée. Hé, Ève, je suis vraiment désolée. Comment puis-je t'aider tout de suite? Comment puis-je t'aider? Elle est hospitalisée. J'ai besoin d'un peu d'argent afin de payer le docteur. Combien? De combien as-tu besoin? D'à peu près 1 million de naira. Écoute, je vais vendre notre terrain pour compléter le reste, mais là, j'ai besoin d'1 million de naira. Ok. Je pense que je peux gérer ça sur le champ. Laisse-moi transférer ça sur ton compte. Rien n'arrivera à maman. Dieu nous en garde. Rien n'arrivera à maman. Mais arrête, s'il te plaît, arrête. T'es affilié à quelle banque? Quelle banque? First Bank. First Bank, ok. Vas-y, donne-moi ton numéro de compte. 3-0. 3-0. 7, 6, 5. Je ne t'entends pas. 18. 18. 2-3. 2-3. C'est ça. Ok. Envoyez. Merci. C'est bon. Arrête. Je suis reconnaissante. Merci. Je dois partir maintenant. Merci. Tu es ma meilleure amie. Arrête, il faut que tu partes. Vas-y, rien n'arrivera. Merci. Tu m'appelles, d'accord? Ah, Seigneur, s'il te plaît, sauve cette maman. Rien ne lui arrivera. Rien ne lui arrivera. C'est qui le directeur ici? Je veux voir le directeur. Qui est là? Surtout pas du tout. Qui est là? C'est vous la directrice? Qui demande le directeur? Va me chercher le directeur. Es-tu idiote ou aveugle? Dépêche-toi d'aller appeler le directeur pour ma boss. Et dis-lui que ma boss veut le voir maintenant. Madame, le directeur n'est pas là. Oh, c'est bon. J'ai une réunion et je veux que cet endroit soit vide pour la réunion. Je veux voir tout le monde dehors dans 2 minutes. Madame, cela sera difficile. Que signifie ça ne sera pas possible? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Sais-tu qui est mon père? Écoute, tu ne veux pas perdre ton boulot, n'est-ce pas? Je suis désolée, madame, je dois m'occuper des clients. Il me gêne. Alors, foulez à la porte et ce, sur le champ. Ne me perds pas, tu t'en. Si elle bouge, bute-la. Oui, madame. Hey, combien vous a-t-il payé pour ça? Voulez-vous perdre votre vie pour cette crétine? Voulez-vous que vos parents vous pleurent? Écoute, je vous donnerai 500 000 naira. Tu ne feras de cette délinquante hors de cet endroit. Tu dois être malade. En fait, tu es mentalement malade. Sais-tu combien je l'ai payé? Allez, venez. Venez par ici. Venez, vous pouvez me parler. Approchez. Venez. Madame. Je voulais juste... j'ai dû mal entendre quand vous parlez. Combien? Nelson, qu'est-ce que tu fais? 100 000 naira. Et sais-tu combien je l'ai payé? Je parie que tu ne sais pas. Vérifie ton téléphone, je t'ai fait un transfert. Vérifie ton fichu téléphone! Madame, ça c'est 300 000 naira. La ferme! Madame, je vais accepter sa proposition. Écoute, tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu ne le penses pas? Fais ce pourquoi t'es là! Fais ce pourquoi je t'ai engagé! N'essaye même pas! Nelson! Ah! Madame, s'il vous plaît, que voulez-vous que je fasse? C'est simple. Mettez cette femme déjantée hors d'ici. La merde n'a rien à faire là où les personnes civilisées sont en train de dîner. Mettez-la dehors. Nelson! Oui, madame. D'abord les services premium. N'essaye même pas. Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas me faire ça. Ça, c'est... Vous ne m'avez qu'envoyé 300 000. Arrête ça, tais-toi. Non, madame. Nelson. Non, vous devez sortir d'ici. Non, Nelson. D'ailleurs. Mais Nelson. Non. Gérante? Bébé, t'as besoin d'autre chose? Pouvez-vous apporter du champagne? Parce que elle a dû postillonner dans mon verre. Ouais, vous pouvez débarrasser, s'il vous plaît. Apportez quelque chose de frais. Merci beaucoup. Que ce soit frais, ok? Oui, madame. Oh. Où étais-tu? Aux toilettes, madame. Oh, ok. Est-ce que ça va? Oui, tout va très bien. Comme je te le disais, on s'en tiendra au plan. Ok, madame. Lizzie, Diala, j'y crois pas. John, oh mon Dieu. Assieds-toi, assieds-toi. Mon ami, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans cette ville? Eh bien... Allez. Est-ce que je rêve ou quoi? Non, tu ne rêves pas. Eh bien... Ça fait bientôt 1 mois que je vais ici. Pour de vrai? Ouais. Je suis partie de Port-à-Coup pour des raisons personnelles. Grande dame, bien sûr que je te connais. Waouh, cette ville te va à merveille. Et je dois l'avouer, t'es magnifique comme d'hab. Quoi? Meuf, ton avis à quoi mon argent me sert? Je me dois d'être toujours au top. Évidemment, je sais, tu n'arrêteras jamais d'être belle. Tu n'arrêteras jamais. Oh, ma chérie. Nous le savons toutes les deux, tu n'arrêteras jamais de t'entretenir. Ça me fait plaisir de te voir après ton année. Moi aussi, je suis vraiment contente de te voir, je sais. Je suis venue ici dîner avec moi, mon mec. Waouh, 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 waouh. Alors, qui est le recelé? Si tu le dis. Moi aussi, je suis chanceuse, crois-moi, ma chérie. Le mec est riche et super humble. Qu'est-ce que tu dis? Mais il ne peut pas être aussi riche que John, le Joey que je connais, le millionnaire. Le million. Baisse le volume. Baisse le volume. Alors j'ai tapé dans le mille. Comme je suis contente pour toi. Je suis très contente de te voir. Tu sais quoi? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, je suis venue leur déposer un truc. Oh, ouais. Okay. Alors, c'est bon, t'es fini là? Oui, je suis sur le point de partir. Oh, ok, c'est parfait. Tu sais quoi? Quoi? Rassure-toi de revenir ce week-end. Bien sûr, compte sur moi. On a du temps à rattraper. J'ai des business pour toi, ma chérie. Sérieusement, femme d'affaires, change pas, hein? Allez, file-moi ton contact, Parce que, attends, laisse-moi faire les business. Rassure-toi d'être là ce week-end. John la joueuse. En personne, bébé. Elle va te sentir passer, je te fais confiance. Putain, ma puce. Je suis très contente de te revoir passer ce temps. Moi aussi, mon amour. Tu m'as marquée. Tu m'as marquée. Il faut que j'y aille. D'accord, d'accord, ma chérie. J'attends ton appel, ok? Je t'appellerai, t'inquiète. Je t'appelle. Prends soin de toi. Ah, Lizzie. Putain. Mais ce mec a osé. Mais quelle honte. Vraiment? Il a osé me faire ça. Cette fille. Elle va m'entendre. Aïe, Dieu. Mais 1 million sont partis dans l'eau. Jai, où avais-je la tête? Où avais-je la tête? Ah, Seigneur. N'est-ce pas Eve là-bas? Eve? Hein? Oh. Mais d'où est-ce que tu viens là? Je pensais qu'en ce moment tu étais à l'hôpital avec maman. Qu'est-ce qu'il y a? Lizzie, mes yeux ont vu mes oreilles. J'espère que rien n'est arrivé à maman. Je ne t'ai pas dit. Les docteurs ont pris les 1 million de naira que tu m'as remis. Et celui du terrain m'a demandé de revenir la semaine prochaine. Et c'est pour cette raison que je pleure. Ne t'en fais pas pour ça, ok? Je ferai quelque chose dès que possible. Oui. Lizzie, merci. Ne serait-ce pas mes chaussures? Je pensais que tu m'avais demandé de les prendre. Eve, est-ce que t'es folle? Non, dis-moi, comment aurais-je pu te demander de prendre quelque chose que je n'ai porté qu'une fois pour un shooting photo? Mais ma puce, j'ai dû oublier. J'ai tout fait pour toi. Il n'y a rien que tu me demandes et que je ne te donne pas. Je fais tout pour toi et tu as le courage de t'introduire chez moi et de me voler. Pourquoi? Pourquoi tu es comme ça? Tu sais que... S'il te plaît, arrête de me faire passer pour une idiote, ok? Je n'ai rien oublié. Désolée. Je ne t'ai pas demandé de les prendre. Je suis désolée. Tu me déçois. Puis-je te suivre? Suis le feu. Est-ce moi qui t'ai amenée ici? Ma puce. Mais j'ai dit que j'étais désolée. Ma puce. Oh diable. Baba, s'il te plaît, cet homme est tellement riche. Je le veux pour moi. Je ne veux pas qu'il regarde une autre femme en dehors de moi. S'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Je vais t'aider. Merci. Personne ne vient chercher Bala. Et retourne chez lui. Déçu. Mais tu devras le jurer. Tu devras promettre de ne jamais abandonner cet innocent homme jusqu'à la mort. Ah, Baba, savez-vous de qui vous parlez? Comment pourrais-je penser à l'abandonner? Cet homme a 6 conteneurs de marchandises qui arrivent dans le pays à l'instant où je vous parle. Il a tout un tas de maisons dans le monde entier. Je ne pourrai jamais, je ne veux pas le laisser. Je ne pourrai jamais le laisser. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, es-tu prêt à le jurer, oui ou non? Oui, je suis prête. Idée foudike. Akondo dike mola kanodike. Afunde kambo bobaranya, atipoala, afunde moanya. Amo atoto golobigo golio. Prends ça. Prends. Tiens, arrête-le avec tes 2 mains. Voici le fort de Mbala. Voici le fort de Mbala. C'est un bâton ancien qui n'épargne aucun mécréant. Ce que tu t'apprêtes à faire, c'est soit la vie, soit la mort. À présent, réponds à une question de plus. Es-tu prête à aller jusqu'au bout? Oui, je suis prête. Ike boutique. Alors répète après moi. À chaque fois que je le laisserai sous la pluie, à chaque fois que je le laisserai sous la pluie, que cette pluie m'emporte. Que cette pluie m'emporte. Et que je n'y survive pas. Et que je n'y survive pas. Donne-le-moi. A force di brilla. A force di brilla. A force di brillare. A force di brilla, iraya. Je vais te donner un charme. Ok. Tu utiliseras ce charme pour lui faire manger. Ok, Baba. Est-ce bien clair? Oui, monsieur, mais Baba, j'ai un autre problème. Il y a une fille vraiment très arrogante qui le dérange. À l'heure où je vous parle, c'est là-bas qu'il est. Ça fait déjà un bout qu'il vit avec cette fille. À cause de cette fille, il n'a même plus Dieu pour moi. Je veux... Elle n'est personne. Hein? Elle n'est personne. Considère-le. Tiens. Quand j'aurai accompli le rituel, il reviendra à toi. Oui, il reviendra vers toi. Mais Baba... Encore une chose, vous avez dit que je dois utiliser le charme dans son repas. Baba, je n'ai même pas un centime dans ma poche. Si j'avais au moins un naira, je vous l'aurais donné. Comment vais-je lui faire manger? Quand j'aurai accompli le rituel, Je te livrerai son cœur entre tes mains. Alors, tout ce que tu lui diras, il le fera. À son retour, demande-lui de l'argent. Et utilisez cet argent pour lui faire à manger. Ok. C'est bien compris. Oui. Igé Poudike, Igé Poudike. Place bien les mains. Ça s'appelle Belesson. Sais-tu ce que Belesson? Tu le sauras. Utilise le liquide dans cette bouteille pour laver tes parties intimes. Quand tu auras fini, utilise cette eau pour lui faire à manger. À l'instant où il mangera ce repas, il t'appellera ma reine. Quand il ne pensera pas à toi, ça sera quand il dormira. Après ça, il rêvera de toi. Mais ne t'envisage jamais d'oublier ceci. Tu ne devras jamais, et en aucun cas, goûter à ce repas. Ok. Je vais me répéter. Ne mange pas cette nourriture. Me suis-je fait entendre? Oui. M'as-tu bien suivi? Ike Boudike, Ike Boudike. Hey bébé. Coucou mon cœur. J'aimerais aller voir ma mère. Dis-moi simplement que tu cours voir cette folle. Bébé, allez, pourquoi est-ce que tu dis ça? Écoute, je suis assez sain d'esprit pour vouloir m'associer à cette folle dingue de Ève. Allez, ne sous-estime pas tout l'amour que j'ai pour toi, ok? S'il te plaît, ne me blesse pas en retournant avec elle. De toute ma vie, je n'ai jamais aimé autant. Je t'ai donné ma parole, ok? De plus, après ma mère, j'ai une tonne de choses à faire. Une fois fini, je suis à toi. Ça marche. Dis-moi, quand tu rentres? Je n'en sais rien. Mais, crois-moi, je reviens bientôt, d'accord? C'est compris. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. C'est bon, c'est bon. Laisse-moi t'aider à faire tes bagages, ok? Ok. Oh, mais avant, je reviens. D'accord. Comme ça, cette fille continue de l'embêter. Pour qui me prend-il ce mec? À présent, je dois lui donner de l'argent pour qu'il aille voir cette dégénérée d'Ève, milliardaire avare. Coucou bébé, tiens ça. Pour en faire quoi? C'est pour toi. Bébé, allez... Écoute, je n'ai pas besoin de ça. Je sais que tu es plus riche, mais t'as pas à me donner de l'argent. Là n'est pas la question. Écoute, c'est le premier cadeau que je te fais. C'est bon. Utilise-le pour t'offrir quelque chose, ok? Je t'aime, il faut que j'y aille, ok? Wow. Ce mec a une maîtrise de soi de dingue. Je suis officiellement amoureuse de lui. C'est pas vrai. Pourquoi ai-je refusé cet argent? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? Madame a demandé que je vous donne ceci. Qu'est-ce que c'est? Hein? Je lui ai dit que je n'avais pas besoin de son argent. J'en ai assez. Elle a dit que c'est pour votre mère. Pour ma mère? Oui, prenez-le. Qu'est-ce que je vais faire avec 1 million naira? Hein? Je le prends à cause de ma mère. J'arrive! Non mais je rêve. Peux-tu me dire ce que tu fais ici? Je suis de retour pour toi. Tu plaisantes, c'est ça? Mais je pense que tu es stupide. Je pense que tu es stupide. Tu es très bête et... je ne comprends pas. Parce que tu penses que moi, Yves Diala, la fille unique du plus grand sénateur, va rester ici et t'attendre avec les bras ouverts. C'est la vraie définition de la folie dans toutes ses formes et ses couleurs. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Bébé, je suis désolée. Tu es désolée? Oui, tu dois être désolée. Oui, tu dois être désolée pour ta misérable vie. C'est tout ce que tu peux dire. T'es désolée. Regarde. Écoute, je pense que je t'ai chérie là maintenant. N'ose pas me toucher. Est-ce que tu m'entends? N'ose pas me toucher. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Salut bébé. Hey. Hey. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Mon cœur, je t'ai apporté à manger. Hein? Ouais. Je ne mange pas d'igname. Tu ne manges pas l'igname? Non bébé. Tu ne manges pas les ignames. Je n'ai jamais mangé d'igname de toute ma vie. Mais bébé, regarde. Tu peux juste manger celle-ci, peu importe la quantité, s'il te plaît. Est-ce que tu veux que je meure? Oh bébé, pourquoi voudrais-je que tu meures? Je ne veux pas que tu meures. Alors ne me force pas à manger tes ignames, car ça pourrait me créer un malaise. Je ne sais pas ce que cette sorcière t'a fait. Je me suis épuisée tout au long de la journée pour te faire manger. Tu ne sais même pas ce que ça fait d'être rejetée. Pourquoi est-ce que tu réagis ainsi? Hein? Pourquoi parles-tu ainsi? Hein? Je veux juste que tu goûtes mon repas. Juste un tout petit peu. Ça me rendra heureuse. Ok. C'est bon. Est-ce que tu peux arrêter? Stop. Je mangerai un peu de poisson. Oui. Ok? Merci. Ouais. Bébé, tu vas te régaler. Juste le poisson. Ouais, juste le poisson. C'est bien ça, bébé. Merci. J'ai quelque chose pour toi. Pour moi? Ok. Qu'est-ce que c'est? Je sais que ce n'est pas ce que ton père a l'habitude de te donner, mais... tu devras faire avec. Qu'est-ce que tu cherches exactement? C'est un chèque. Un chèque? Alors, où est-ce que tu l'as déposé? Il est censé être juste là. L'as-tu trouvé? Regarde là en bas. Bébé, ce n'est pas ici. Il n'y a rien. Oui. Où l'as-tu mis? Attends. Bébé, Bébé, nous devons le chercher. Bébé, te souviens-tu? Oh, mon Dieu. Ce mec est tellement imprévisible. Les façons dont il est en train de gagner mon cœur. Au fur et à mesure que le temps passe. C'est un vrai régal. Ça m'intrigue. Comment quelqu'un peut-il se contenter du peu qu'il possède? Mince alors. Ça, c'est le genre d'homme que je veux à mes côtés durant toute ma vie. Je suis amoureuse de cet homme. Bébé, il faut vraiment que tu ailles le chercher. Peux-tu te calmer? Calme-toi, ok? Je dois réfléchir au dernier endroit où j'étais avant de venir ici. As-tu fouillé dans ta voiture? Ce n'est pas dans ma voiture. Mais t'inquiète pas, si je le trouve, je te le donnerai. Attends, quand est-ce que tu vas le trouver? Écoute, j'ai besoin d'argent. J'ai quelque chose à faire avec de l'argent aujourd'hui et j'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Bébé, est-ce que tu m'entends? J'ai dit que quand je le trouverai, je te le donnerai. Quand exactement? Écoute, ne me dis pas que tu ne peux pas prendre soin de moi. Est-ce que tu essayes de dire? Tu es un grand garçon. Trouve-moi un autre chèque. N'es-tu pas un grand garçon? Oui, je suis un grand garçon. Ok. Bébé. Je t'ai dit que mes conteneurs étaient en chemin et j'ai besoin d'argent pour les dédouaner. Laisse-moi deviner. Je veux passer le restant de ma vie avec toi. Donc, parce que mon père est riche, je dois passer le restant de ma vie avec un pauvre qui n'a rien à m'offrir. C'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu dis? Bébé, qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas ton comportement. Hein? Bébé, je pensais que je... Tu pensais que quoi? Oui! Mon père est un milliardaire. Ça ne signifie pas que je vais rester avec une personne qui ne prendra pas soin de moi. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu dis? Évidemment que je prendrai soin de toi. Bébé, ce que je dis, c'est que... mes conteneurs sont en chemin. C'est pour ça que je suis aussi serré, ok? J'ai besoin d'argent. Je veux que tu me prouves que tu peux prendre soin de moi. Ou tu n'es pas ce gars chanceux qui rentre avec 10 milliards de naira dans le sac. De quels 10 milliards de naira tu parles? Ah, s'il te plaît, tu la fermes. Arrête de faire semblant. Tu veux me dire que tu ne regardes pas la télé? Donc, tu ne sais pas que mon père donnera 10 milliards de naira à l'homme qui me prendra pour épouse. Et ses affaires aussi. Et ses plus grandes affaires. Dis-moi que tu n'es pas au courant. Vraiment? Oui, vraiment. Attends, donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que... quel que soit l'homme qui t'épousera, il obtiendra 10 milliards de naira et toutes les affaires immobilières de ton père. Tu m'as très bien entendu, mon petit cœur. Cette fille et ses deux. Il lui faut cet argent. 10 milliards de naira. Et... Emeka, c'est ta chance. 10 milliards. Je dois régler ça. Et ce charme fonctionnant. Qui? Juste une fois. Bébé, pourquoi m'as-tu tourné le dos ainsi? Hein? Est-ce que je ne prends pas soin de toi depuis qu'on se connaît? Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu as fait pour moi depuis qu'on s'est connus? Oui, je te le redemande, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Écoute, je veux juste me rassurer que tu n'es pas un croqueur de diamants qui cherche du diamant à croquer. Oui. Allez, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Connais-tu l'étendue de mes biens? Ou alors c'est parce que j'attends sagement l'arrivée de mes conteneurs? Bébé, je peux vendre l'une de mes maisons pour toi et tu pourras utiliser l'argent pour faire ce que tu veux. Si ça te rendra heureuse, je peux le faire. Ah, bébé, tu sais, pas besoin d'aller si loin. Tout ce que je veux, c'est de te voir me prouver que t'es un homme. Je veux juste me rassurer que tu prendras soin de moi lorsqu'on sera mariés, c'est tout. Bébé, je prendrai soin de toi. Écoute, laisse-moi chercher ce chèque, ok? Lorsque je le retrouverai, je te le donnerai, promis. D'accord, bébé. D'accord? Je serai à l'intérieur, bébé. S'il te plaît, ne me tourne plus jamais. Je ne le ferai plus. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, mon amour. Tu sais, j'avais peur que tu te retrouves pas facilement. Qui peut ignorer la plus belle maison de tout le voisinage? Tu recommences encore. Et ce n'est que la vérité. Bref, je suis contente de te voir. Si t'étais venue une minute plus tôt, crois-moi, t'aurais vu mon homme. Ton homme? Oui. Il vit ici avec toi? Non, c'est pas le cas. Eh bien, il me rend juste visite. Ah, ok. Meuf, j'ai vu ce que ton père a publié dans le journal aujourd'hui. Oh ça, cet homme est un bourreau des affaires. Il est tout le temps à la recherche de, tu sais, tous ces jeunes nouveaux partenaires. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit? John, s'il te plaît, on pourra en parler plus tard, ok? Sous un temps plus détendu. J'ai besoin de boire quelque chose de frais parce que je suis assoiffée et je meurs de faim. Oups. Pardonne mon indélicatesse. Mon cœur, je suis désolée. J'aurais dû le faire plus tôt. Tu sais quoi? Détends-toi. Fais comme chez toi. Je reviens. Je t'attends. Je suis contente de te voir chez moi. Moi de même, ma chère amie. Moi de même, moi de même, moi de même. Santé, ma puce. Le chef est en train de cuisiner quelque chose. Quand ce sera prêt, il nous l'apportera. Ça marche. Merci infiniment. Je t'en prie. Dis-moi, ma puce. À propos de ce dont on vient de parler. Tu sais, ton père, qu'est-ce qu'il raconte? Oh, tu veux parler de ce qu'il a publié aujourd'hui dans le journal? Quoi d'autre? Ma sœur, cet homme est un bourreau des affaires. D'après ses propos, il exige que la condition à remplir est que l'intéressé doit avoir 10 milliards de naira dans son compte. 10 milliards de naira évalués en propriété. Et si l'intéressé aimerait être son partenaire dans la construction du nouveau, quartier près de la rue de l'aéroport. Tu connais le plus marrant dans cette histoire? Après cette affaire, mon père mettra à disposition un peu plus de 100 milliards de naira pour ce mec. Putain, meuf! Waouh! Quelle idée ingénieuse! Je t'assure, cet homme, un bourreau des affaires, cet homme est impossible. Ça l'est vraiment. Ouais, ça l'est, mais qu'est-ce qui lui fait croire que j'accepterais ce type d'homme? Je veux dire, la plupart des mecs se lanceront sans toutefois connaître toutes les conditions. Tu as raison. Putain. Ça, c'est la partie la plus roublarde de l'affaire. Tu sais, dans ce genre de business, absolument tout peut être parié. Absolument tout, tout. Qui sait, peut-être que moi aussi. Tu sais. J'ai juste... Je pense qu'il faut que ton père m'apprête 2 ou 3 trucs. Ton père, il est impressionnant. Arrête. Non, c'est bon, là. T'as vu comment? Le mec a tout calculé. Putain. Je pense que ton mec invisible a de la chance d'avoir. Crois-moi, ma chérie, c'est moi la chanceuse. Je sais ce que je dis, tu sais. Ce mec me chuchote Il me traite comme la reine que je suis. Je veux dire, il est si romantique. Crois-moi. Tu sais, vu la façon dont tu parlais de lui au restaurant, je pensais que c'était l'un de ces gigolos qui demande à être payé après service rendu. Payé pourquoi? Mais belle, je ne paye pour rien du tout. Ce mec est tout ce qu'il faut. Hey, écoutez mon ami. Tu sais, ce mec a des chaînes commerciales dans tout le continent. T'es sérieuse là? Ce mec est tellement plein d'osseuse. Oh mon amour, je suis si contente. Je suis contente pour toi. Félicitations. C'est super. Tu nages dans le bonheur. Conçu au paradis. Oh, oui. Les yeux te l'ont directement envoyé. Tu l'as envoyé à moi. Et encore que là. Félicitations, mon amour. Je suis si contente pour toi. Je suis également contente pour moi. Je suis heureuse pour toi. Merci. L'amour. Mike, si j'ai bonne mémoire, je ne t'ai pas invité ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Pour l'amour de Dieu, je t'ai dit que j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de me découvrir et j'ai besoin d'un peu de temps pour être seule. Tu ne comprends pas? Quelle partie de tout ça tu ne comprends pas? Et pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me faire ça? Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me traiter tout le temps comme si j'étais un paria? Oh, Seigneur, t'es sourd, quoi? Je t'ai supplié, j'ai crié, mais t'es tellement stupide et égoïste pour comprendre. Oui, c'est ça. Moi? Stupide? Oui, t'es stupide et égoïste, tu crois? Oh, très bien. Je ne partirai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit exactement ce qui se passe, Eve. Tu veux savoir ce qui se passe? Ouais. Je te le dirai. Tu n'as aucune manière. Tu me saoules déjà, Mike! C'est ce qui se passe! Oh, je vois. Je vois quelqu'un d'autre que moi, c'est la raison pour laquelle tu agis ainsi. Oh, qu'est-ce que tu viens de dire? Je te trompe, c'est pour ça que j'agis ainsi. Ouais, tu me trompes. Va-t'en! Que je sorte? J'ai dit, sors de ma maison et sur le champ! Eh, hey, mais qu'est-ce que t'as? Arrête ça! Tu sais quoi? Reste là. Eh, hey, mais qu'est-ce qui te prend? J'arrive. Ah, ma puce. Ah, pourquoi est-ce que tu ne décroches pas mes appels? Tes appels? Ouais. Ma puce, je suis tellement triste. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que ça n'a rien à voir avec maman. Elle est toujours dans son état pareil. Oh. Attends. Maman est toujours dans le même état et tu es ici, en ville, à te tourner les pouces. Mais je pense t'avoir dit ce que le docteur a dit. Tu ne m'as rien dit du tout. Tu m'as seulement dit. Mais je t'ai dit que... Qu'est-ce que tu m'as dit? Désolée. Eve, pourquoi tu te fais ça à toi-même? Eve, ce n'est pas pour ça que je suis là. Ok. Je suis venue ici pour te poser une question très simple. Et je demande une réponse honnête. Ok. As-tu fait du shopping dans une boutique en mon nom? Hein? Je comptais t'en parler. Alors c'est vrai. Comme ça, tu usurpes mon identité dans cette ville, Eve? Non! Comment ça, usurpation? Que Dieu m'en garde, comment pourrais-je le faire? Ah, ma puce, laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Je suis allée à la boutique pour m'acheter certains trucs et j'ai eu à payer certains d'eux. Puis ces idiotes ont insisté pour que je donne une garantie avant que je prenne les articles que je n'ai pas pu payer. Elles voulaient juste me foutre la honte là-bas. Est-ce que tu t'entends parler là? Hein? Est-ce que tu t'entends parler? Hey. Tu parles comme une gamine. Qu'est-ce qui t'a empêché d'acheter les vêtements qui étaient à ta portée? As-tu besoin de paraître? Ah, Eve, ma puce, mais ce n'est pas une fausse vie. Tu me connais, mon ami. Ma puce, calme-toi. Tu ne veux pas travailler, mais tu veux dépenser de manière extravagante. Eh bien, je suis venue te dire en face que tu as 2 jours pour évacuer cette maison, parce que mon père sera de retour la semaine prochaine. Je le sais. Tu le sais. Alors tu ferais mieux de faire tes bagages. Calme-toi, je suis quand même ton amie. Le paraître ne t'amènera nulle part. Tes amis devraient-ils mourir de faim? Tu es avertie. Dis-moi, ma puce, je suis désolée. Oh diable. Mais je suis désolée. C'est quoi cette histoire de fausse vie? Je, fille de sénateur, Mamae. Désolée, oh. You don't make it not to know you're real sad. Oh, pourquoi tu mangeais cette nourriture? Cette nourriture n'a pas été préparée pour toi. J'avais plutôt faim. Oh, Seigneur. C'est quoi ton problème? Pourquoi l'as-tu mangé? Je n'aurais pas dû le faire. Oui, ce n'était pas fait pour toi. Hein? Je ne l'ai pas préparé pour toi. Oh, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? C'était pour ton nouveau mec, vrai? Oh, Seigneur, pourquoi ai-je laissé ce plat ici? Pourquoi l'ai-je laissé ici? Est-ce qu'il y a un problème? Oui. Eve, c'est simple, vas-y, dis-le-moi. Il y a un problème. Quel problème? Toi. Moi? Oui, Mike, c'est toi le problème. S'il te plaît, s'il te plaît. Avec tout le respect que je te dois, il faut que tu partes. Vas-y, pas d'ici. Il n'y aura plus jamais de problème. S'il te plaît, je t'en supplie. Ok, Eve, écoute. Tu veux que je paye ton repas? Dis-moi combien je paye. Mais qui t'a dit que je voulais de ton argent? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? T'es sous ou quoi? Tu me cries dessus, Eve. Ok, je ne bouge pas d'ici tant que tu m'as pas dit que tu m'aimes. Oh mon Dieu! Je ne bouge pas d'ici tant que tu ne m'as pas dit que tu m'aimes. Oh mon Dieu, Mike, s'il te plaît, sors. Je t'en supplie, va-t'en. Non, arrête de faire semblant de pleurer. Dis-moi que tu m'aimes et je m'en irai. Eve. Oh Seigneur. Pourquoi est-ce que tu fais semblant de pleurer? Je t'aime de... La ferme! Je t'aime de plus en plus et... Hein? Frangin? C'est encore loin? Décroche, qu'est-ce qu'il y a? Plus vraiment, c'est juste là. Encore un effort, on y est presque. Juste un petit effort. Je te l'ai dit. Si au moins si tu marchais comme un homme, nous serions déjà loin. Alors? Je t'ai dit que... Allez, fais un effort, Frangin. Allons-y, allons-y, tu m'as déjà... Mais ce n'est pas juste. Allez, avance. Hein? Voyons, tu m'as dit que j'avais besoin de la voiture pour 1 ou 2 nuits. Que se passe, les mécas? Regarde-moi ce mec, un gros paresseux. Hein? Oui, 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 regarde-toi. Tu es sérieux? Hein? Eh mais qu'est-ce que tu viens de dire? Comment peux-tu faire le tour de la ville avec la voiture de mon boss? Emeka, hey, tu veux qu'il me foute à la porte? C'est vrai en plus. Sais-tu vraiment qui est mon boss? Tu sais vraiment qui il est? Qu'est-ce que tu vas faire? Emeka, arrête de m'insulter. Hey! Alors, on y va ou quoi? Emeka, tu t'entends parler, là? Écoute, tu n'as pas la moindre idée de ce qui pourrait bien s'abattre sur toi, Emeka. Tu es nuisible, si toi, tu savais vraiment l'ampleur de ce que tu es en train de faire, Emeka, tu te dépêcherais de là où tu te trouves pour ramener cette voiture. Crois-moi, tu sais même pas où tu as mis les pieds. D'où lui est venue cette idée? Il me dit qu'il a besoin de la voiture pour 1 ou 2 nuits. Et c'est parti. Ce gars est incroyable. Mon bébé. Mon amour. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qui est ton amour? L'amour que je te porte est plus grand que le ciel. Ah, Seigneur. Pour toi, je pourrais aller à la lune et y revenir. Mike. Mon amour. S'il te plaît, je t'en supplie, arrête. Arrête, s'il te plaît, je t'en supplie, arrête. Mon amour, pour toi, je pourrais mourir. Je suis prêt à mourir pour toi. Ah, ok, c'est bon, va-t'en. Tu as gagné, va-t'en. Ok, regarde ça. Tu es l'amour de ma vie, je ferai tout pour te rencontrer. Je ne veux pas de ton argent, prends-le et va-t'en, va-t'en. Mon regard sur toi, j'ai vu l'amour dans tes yeux. Oh Seigneur, je t'en prie. Oh Yah, je l'ai pris, tu peux maintenant partir, va-t'en. M'a touché. Mais maman, va-t'en, va-t'en. Mike, s'il te plaît, va-t'en. Mike, va-t'en. Non, toi ici. Mike, s'il te plaît, pas. Bye bye, bye bye, va-t'en. Dégage d'ici. Mon amour. Je ne veux plus te voir ici, Mike. Va-t'en, va-t'en d'ici. Je ne veux pas avoir de problème avec toi, va-t'en. Si tu veux que je te chante une chanson, je le ferai pour toi. Et je sais ce que tu fais. Tu aimes bien les aventures, pas vrai? Ne t'en fais pas. Je vais escalader le portail. Je peux te comprendre. Qui est là? Encore? Eve. Mike. Mon amour. Qui t'a ouvert le portail? Laisse le portail. Comment es-tu entré ici? Mon cœur, pour te prouver que je ferai tout pour toi, j'ai volé au-dessus du portail. Tu sais ce que l'amour peut faire. L'amour supporte tout. I will do anything. Mike, s'il te plaît, c'est évident que tu deviens fou. Fou de toi? Si tu continues, écoute. Tu perds la tête. Oui, mon amour. Va-t'en, va-t'en. Mon amour, tu vas finir par me tuer. I will do anything. Mais vas-tu arrêter? I will do anything. Oh, Yah, va-t'en, dégage. Ah, ça c'est de l'amour. Tape, mon amour, ça c'est de l'amour. Vas-y, c'est ça. Il suffit juste que tu me touches pour que ma vie s'illumine. Oh, mon cœur. I will do anything, girl, anything for you. Oh, mon cœur. Mon cœur, bébé. Bébé, tu me laisses? Mon cœur, tu m'as laissé au niveau du portail. J'ai escaladé le portail. Je sais que t'aimes les aventures, mais ne laisse pas ton homme ici. Mon amour, mon cœur, je vais mourir d'amour pour toi. Oh, Shineke. I will do anything for you. I will do anything, girl, anything for you. Oh, mon amour, je sais ce que je veux. Je resterai là à t'attendre. Je ferai tout pour toi. Pour ton amour, je mourrai. Qui suis-je? Je mourrai. Je t'aime, ma chérie. Je donnerai ma vie pour toi tellement je t'aime. Eh, bébé? Je t'aime. J'adore quand tu me frappes avec cette babouche. C'est tellement si romantique. Waouh! Veux-tu passer le restant de tes jours avec moi? S'il te plaît, épouse-moi. Oui. Oui, 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 oui. Bébé. Oui. Tu sais quoi? Demain, je mettrai 20 millions de naira à notre disposition pour le mariage. Quoi? 20? C'est insuffisant. C'est énorme. Vraiment? C'est vraiment super. Tu es sûr? Ou alors tu peux faire 42 millions. Oh mais je t'aime tellement. C'est très bien. Oh mon Dieu, je t'adore. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je dois le dire à toutes mes copines. Elles doivent... Allons faire du shopping. Oh. J'ai envie de faire un selfie, je vais te dire. Oui. Bébé, c'est bon, c'est bon. Où est-ce que tu veux aller? Londres. Tu ne veux pas aller à Londres? Non. Alors, où veux-tu aller? La Jamaïque. Oh, papitos. Peu importe ça. Prends ça. John, s'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. Quoi, moi? Je ne plaisante pas. Je vais me marier samedi. Je sens que tu me caches quelque chose. Il y a quelque chose de louche que je perçois. Écoute, sois honnête avec moi, ok? Avec qui est-ce que tu te maries exactement? Et pourquoi c'est si soudain? Avec mon prince charmant, bien sûr. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Je pense que tu dois reformuler cette question. La bonne question serait, qu'est-ce que moi, je lui ai fait? Parce que j'ai volé son cœur. Dieu, oh ma puce, je suis sans foi. Félicitations. Merci. Ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Je sais. Oh. Tu sais quoi? J'aurais besoin de ton aide. Aide-moi à trouver la meilleure wedding planner de la ville. Ouais, je pense que j'en connais une. Alors, dis-moi, c'est quoi ton budget? Mon budget, disons... Disons que j'ai prévu à peu près 30 millions. Ouais, 30 quoi? Millions. Attends. Tu n'es pas sérieuse, n'est-ce pas? Dis-moi que c'est une blague. Pourquoi 30 millions? C'est insuffisant. C'est énorme. Qu'est-ce que tu fais avec 30 millions? Grâce, c'est mon mariage. De plus, je ne me marierai qu'une seule fois dans ma vie. Ah, crois-moi, ce n'est pas un problème d'argent. Bien... J'ai besoin d'autre chose. Dis-moi. Allez, je ne vais pas te demander de l'argent, peu de sérieux. J'aimerais que tu sois madame de compagnie. Bien sûr que je le serai. Tes robes sera de la haute couture parce que j'ai envoyé 2 millions de naira. À cet effet, tu me connais, n'est-ce pas? John, le fait que tu veuilles être extravagante pour ce mariage ne me plaît pas. Je te conseille en tant qu'amie. Lizzie, laisse la huitième planner faire son travail. Tu n'as pas à réfléchir pour quoi que ce soit. Allez, c'est mon mariage. Sois contente pour moi. Je le suis. Ok, pas de souci. Et le fait que tu m'aies choisie pour être ta dame de compagnie me touche vraiment beaucoup. Tu n'as vraiment pas les choix, ma chérie. Mais tu dois me promettre que ça sera du haut niveau. Genre, pas de mélange avec n'importe quoi. Allez, parce que je ne veux pas que des racoleurs tournent autour de moi, ok? Je ne fais pas du tout ce genre de choses. Crois-moi, je ne m'intéresse qu'aux affaires. Et... L'amour de ma vie. Ça, c'est ma copine. Félicitations, ma belle. Je suis si contente. Je suis si contente pour toi. Je suis tellement heureuse. Je suis si contente. La ville sera en ébullition, ce mariage. Et comment? Tu as déjà des idées pour mon mariage? Non, pas encore. Non, réfléchis. Tu dois réfléchir à quelque chose maintenant. Allez, fais quelque chose. Ok, dis-moi, quelle célébrité vas-tu inviter? C'est ça le problème. Crois-moi. La dernière fois que tu es venue, si tu as vu mon mec? Non, pas du tout. Oh, non, on doit le rectifier. Je l'emmènerai à ton bureau demain, ok? Ouais. Disons vers midi, comme ça, pour apprendre le déjeuner ensemble. Ça marche? Ça marche. Super. En gros, qu'est-ce que tu veux? Je suis là pour faire la paix avec toi. Je vais te reposer cette question. Et le mieux pour toi, c'est d'aller droit au but et me dire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu reviennes. Laisse-moi deviner. Tu t'en vas à la Dior, tu fous le bordel et tu peux te permettre de revenir quand ça te chante. Non, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce que c'est? Bébé, je travaille sur quelque chose. Oh. Et à l'heure où je te parle maintenant, tout a été réglé. Waouh. Ravie de l'entendre. Tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, je travaillais sur quelque chose. Tu veux savoir ce que c'est? Toi et moi, c'est fini. Bébé, s'il te plaît. Va-t'en. Je t'en prie. Ne me touche pas. Écoute-moi, tu veux? Ok. Je te donnerai 1 million de naira pour m'excuser et un autre million pour tes besoins. Ok? Qu'est-ce que t'as dit? 2 millions de naira. Mon bébé. Ouais, si t'as besoin d'autre chose, fais-le-moi savoir, ok? Bien sûr. Viens, ne t'en va pas. Allons à l'intérieur. Oh oui! Entrons, bébé. Ouais, à l'intérieur. Oh mon Dieu! Oh! Arrête! Écoute, ne le refais plus jamais. Ça n'arrivera plus. Promis? Te le promets. Oui. Alors, samedi, nous irons voir mon père. Qu'est-ce que t'en dis? ce samedi. As-tu un problème avec ça? Le truc, c'est que je dois rencontrer mon agent ce samedi, concernant mes produits. Eh bien, bébé, je pense que tu dois choisir le plus important. Vends mon père te fera céder aux 10 milliards de Naira qu'il a promis, tu le sais, je le sais, et tout le monde aussi. Ok, donc, cela signifie que je devrais voir mon agent très tôt le matin et puis après je viendrai voir ton père. Parfait. Ok. Tiens. Je dois y aller, d'accord? Allez où? Où vas-tu? Chez cette pute? Écoute, je ne peux pas accepter ça. Bébé, je ne suis pas en train d'aller voir quelqu'un. J'ai juste une réunion très importante. Ça m'est égal. Tu n'iras à aucune réunion et si tu traverses cette porte, considère cette histoire entre nous morte. Bébé, je suis désolée, mais... Mais rien, monsieur, arrête de me stresser, c'est quoi ton problème? Tu n'iras nulle part! Écoute, je vois que tu veux que ces 10 milliards de Naira t'échappent. Traverse cette porte. Ne mets plus jamais les pieds ici, tu m'entends? Oui, Lizzie. Demain? Ok, ça marche, je viendrai. Oui. Y a-t-il à manger? J'ai vraiment très faim. Bébé, je te dis que j'ai très faim. Mon cœur, n'as-tu pas mangé où t'étais? Écoute, nous avons un mariage à préparer. La dernière chose à laquelle tu devrais penser, c'est la nourriture. Attends, un instant. Un mariage? Ton père ne m'a pas encore accepté, ou alors suis-je l'élu? Oh, laisse-moi te dire, j'ai une idée. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller quelque part faire un mariage secret? Et quand mon père l'apprendra, il n'aura pas d'autre choix que de l'accepter. Qu'est-ce que t'en penses? Un mariage secret? Bébé, je pense que c'est une idée brillante. C'est la meilleure idée. Ouais. Ce qui signifie qu'on pourra le faire lundi prochain. N'est-ce pas? Un mariage. Un lundi. Qui fait ça? Bébé, c'est un mariage secret, ça peut se tenir n'importe quel jour. Je suis désolée. Lundi est totalement inacceptable. On le fera samedi. Samedi, c'est trop proche. Samedi, c'est dans quelques jours, c'est trop proche, on doit s'organiser. Tu sais, j'aime pas le stress. Et tu commences sérieusement à me stresser. Ils sont tous capables, tu sais. À moins que tu ne veuilles pas être l'un d'eux. N'es-tu pas capable? Bébé, j'en suis capable. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut s'organiser. Et il faudra de l'argent pour cela. Il s'agit d'un mariage et non d'une fête d'anniversaire. Appelle tes amis de l'étranger. Dis-leur de t'envoyer de l'argent. Et qu'est-ce que je leur dirais? Qu'ils m'envoient de l'argent pour me marier? Qui fait ça? Surtout pas un grand comme moi. Vraiment? Monsieur le grand garçon, notre mariage, c'est samedi. Samedi. Ah, Seigneur. Ah! Pas possible. Est-ce que tu l'as vu? Madame, je vous ai dit qu'il n'a pas disparu. Il est sûrement quelque part en train de faire la fête. Il reviendra quand il aura fini, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'il ne me répond pas? Il le fera quand il sera libre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est probablement avec une autre femme, celle qui était là avant. Veux-tu fermer ta bouche? Désolé, madame. Qu'est-ce que tu entends par « il est avec une autre femme » ? Est-ce que tu réalises que cet homme sera mon futur époux dans les jours à venir? Bien sûr que je le sais, je suis désolée, madame. Où es-tu? Où es-tu? Je suis sûre qu'il a eu un souci. Eh bien, je ne pense pas, madame. Comme je l'ai dit, il est probablement quelque part en train de faire la fête. Il rentrera certainement. Mais quand rentre-t-il? Et pourquoi refuse-t-il de décrocher? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il le fera quand il sera libre. Tu sais quoi, je pense que non. Allez le chercher. Oui, allons le chercher. Madame, allez le chercher. Oui. Comment? Où allons-nous le trouver? Savez-vous où il vit? Non, mais nous pouvons toujours aller le chercher. Tu sais quoi? Allons. Les polices. Oui, allons-y au poste de police signalé. Oui, bien sûr, allons-y au poste de police. Oui, le poste de police. Allons-y. D'accord, si vous voulez qu'on y aille, je vous accompagne. Oui. Alors, allons-y. D'accord. Allez, devine. Quoi? Devine. Tu sais que je ne suis pas bon aux devinettes, pas droit au but. Eh bien, je viens de te dégoter un contrat de 30 millions de Naira. Pour de vrai. Pour de vrai. C'est quoi le deal? Ok, voici le deal. L'une de mes amies milliardaires se marie urgemment ce samedi. Alors elle m'a demandé de lui trouver une wedding planner expérimentée. Et je sais que c'est dans tes cordes. Et c'est pour ça que je veux te donner ce contrat, parce que je sais que tu le délivreras, comme tu sais très bien le faire. Oh. C'est très gentil. Mais je suis désolée, je ne peux pas. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas l'accepter parce que je serai occupée samedi. Que diable seras-tu en train de faire samedi au point où tu veux envoyer balader un contrat de 30 millions de Naira? Tu le sauras au moment venu. Tu sais quoi? Regardons d'abord dans cette rue-là. Là. Avance. Madame, ça fait maintenant 2 heures qu'on roule, juste pour trouver cet homme. Je pense que nous devons rentrer. Allez où? Rentrez pour aller où? À la maison. Je suis censée me marier samedi. Tu me demandes d'aller où? Tu sais quoi? Juste... Arrête-toi là, arrête-toi. Je vais de ce côté. Oh, non. Qu'est-ce que je raconte? Non. Je pense que je me suis trompée. Allons-y dans l'autre poste de police. Puis, je ferai... Tu sais, peut-être que... Oh, je n'y ai pas pensé. Ah, peut-être que cette fille l'a séquestrée. Pourquoi j'y ai pas pensé? Oh, Dieu. Madame, je ne pense pas que qui que ce soit le séquestre. Vas-tu fermer ta gueule? Fais ce que je te dis. Conduis-moi dans l'autre poste de police. D'accord, madame. Ah, j'espère qu'elle ne lui a pas fait du mal. S'il te plaît, non, pas ça. Madame, essayez de vous calmer, s'il vous plaît. Coucou bébé, je suis rentrée. Bébé, t'es dans la salle de bain? Chiche. Oh mon Dieu! Mais où étais-tu? Comment fais-tu? Tu vas bien? T'as-t-on fait du mal? Merci Dieu. Écoute, je savais qu'il y avait un problème. Je l'ai ressenti. Tu sais quoi? Reviens juste à la maison. Allons à l'hôpital et là on te fera un check-up, ok? Bébé, reviens à la maison. Laisse-moi te chouchouter, ok? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bye bye. À tout à l'heure. S'il te plaît, rentre directement à la maison. Tu m'as fait peur. Baba, il vient et il part. S'il vient le matin, il part dans la nuit. S'il vient la nuit, il repart le matin. Ce n'est pas possible. Pas mon charme. Laisse-moi te poser une question. As-tu préparé son repas avec le charme que je t'ai donné le joujou? Oui, je l'ai fait. Et l'a-t-il mangé? Il a mangé juste le poisson. Il a dit qu'il n'aime pas les ignames. Il a mangé le poisson? Oui, monsieur. Le poisson. Ne sais-tu pas ce que symbolise le poisson? Je suis sûr qu'il a mangé et a utilisé le barbecue. C'était du poisson au barbecue, ce poisson-chat. Ah, Baba. Quel genre de poisson? Ne sais-tu pas que tu vas glisser? Tu vas nager comme du poisson. Si tu viens de ce côté, il ira de l'autre côté. Si tu viens ici, tu vas souffrir. Ah, tu es une femme. Tu es une femme. Tu aurais dû utiliser ton pouvoir de femme pour le persuader. Le toucher à un ou deux endroits. Cibler un bon endroit. Le toucher sur des parties sensibles. Baba, je ne comprends pas. Il a dit qu'il n'a jamais mangé d'igname de sa vie. Que s'il en mangeait, il en mourrait. C'est ce qu'il m'a dit. Alors, pourquoi n'as-tu pas... demander son... Tu aurais dû savoir son... Tu aurais dû demander ce que... Il est mangé. Lui demander qu'est-ce que je peux faire pour toi. Il t'aurait dit. Mais toi, tu es venu préparer des ignames. Tu as raison. Voilà que les ignames, il a refusé de les manger. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de ce plat la suite? Baba, un autre homme qui est amoureux de moi a mangé cette nourriture. Baba, depuis lors, je n'ai plus de paix. Il est fou amoureux de moi. Il me poursuit partout dans la rue. Il vient à la maison tous les jours. Baba, s'il te plaît, aide-moi. Les problèmes. Trop de problèmes. Tu auras trop de problèmes. Tu vois, lorsqu'on vous parle, vous les jeunes filles, écoute très attentivement et utilise ton pouvoir. C'est la même façon que j'ai donné du charme à une fille ici la dernière fois. Je lui ai dit, mets dans la bouche. Elle a plutôt mis dans les orteils. Maintenant, toi, je t'ai dit, force-le à manger et tu ne l'as pas fait. Je t'en supplie. Donc, écoute, je ne sais plus ce que je vais faire. Tu as tout gâché. Tu as tout gâché. Je ne sais même plus par où commencer. En effet, fais avec des hommes. En ce qui me concerne. Baba, non, Baba. En ce qui me concerne. Et les dieux. Nous te le disons. Fais avec des hommes. Non, non, Baba, attends. Je ne suis pas là pour eux deux. Qu'est-ce que je vais faire avec l'autre là? C'est pour cet homme que je suis venue. S'il te plaît, je veux qu'il revienne vers moi. Pico. Les deux sont-ils riches? Non, l'autre n'est pas riche. Alors, qui a mangé la nourriture? Le pauvre. Le pauvre. Hey, maman. Hey. La pauvreté est une mauvaise chose. Il va revenir. Je vais t'aider. Cette nuit. Je veux qu'il revienne cette nuit. Venez. Tu penses que c'est automatique? Écoute, je dois. Tu as tout gâché. Tout est à refaire. Donc, tu dois tout arranger. Tu sais qu'il a mangé du poisson. Donc, tu vas glisser. Tu vas ramper vers lui. Il faut que je cherche un ver de terre. Ou alors quelque chose pour arranger ça. Que j'accrocherai à mon hameçon pour attraper le poisson. Et ça prend beaucoup de temps pour attraper du poisson. Oui, monsieur. Donc, permets-moi de travailler avec les dieux. Ainsi, on pourra le faire revenir. Mais ce n'est pas cette nuit. Il ne rentrera pas cette nuit. Notre mariage, c'est samedi. Le mariage. Notre mariage, c'est samedi. Qui se marie? Votre mariage. Lui et moi. Hey! Avec cet homme qui te fuit. Là, c'est le mariage. Baba, pour moi, ça signifie quelque chose. Il faut que je l'arrête très vite. Je veux que cet homme soit tout à moi. Hé! L'enfant de quelqu'un, le fils de quelqu'un. Qu'est-ce que je peux faire? C'est mon boulot. Je vais faire mon boulot. Non, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Il n'y a pas de problème. On me crée boulot. Dis, me crée boulot. Dis, on me crée boulot. C'est bon. Combien as-tu là? J'ai 50 000 Naira. 50 000? Pour un homme qui a 6 conteneurs? Je ne sais pas. Dis-moi, pour qui me prends-tu? Non, non, Baba, attends, attends. Quand il sera dans mes filets, fais-moi confiance. La première fois que j'ai fait ça pour toi, combien m'as-tu payé? Et tu as tout gâché. Tu vas me donner 200 000 Naira. Mm. Tu vas me donner 200 000. Mais pour le moment, apporte les 50. Dès que cet homme aura posé les pieds dans ta maison, hey, hein, je te donne ton argent. Tu me donnes 100 000. Dès qu'il te met la bague au doigt, tu me donnes les autres 50. Pas de problème. Tu m'as suivi? Oui. Collins. Oh, mais quoi ça? Ouais. Waouh. C'est ce que je te devais, hein. Mais quoi ça? Qu'est-ce qui se passait là? Quand me rendras-tu la voiture? Tu sais, mon boss sera de retour. Très bien. Ouais. Après mon mariage ce samedi, je te la rapporterai. D'ici là, j'en aurai déjà une autre. Mais Kosa, qu'est-ce que tu racontes? Après ton mariage ce samedi? Oui. Et avec qui te maries-tu? À ce propos, mais Kosa, où as-tu trouvé l'argent? L'amour rend tout possible. Ne t'inquiète pas pour ça, hein? Tu seras mon témoin. Tu plaisantes pas, frère. Écoute, doucement. Dis-moi, j'espère que tu ne la décevras pas. Parce que toi... Ne t'inquiète pas pour ça, hein. On va faire les boutiques demain. Sérieux? Ouais. Mec, ouais. Collins. Merci. Mec, ouais, c'est mon pote. Ouais. Merci. C'est ça, ouais. Waouh. Mon pote Mercos. Tu as aimé? C'était magnifique, je t'assure. Je savais que tu allais aimer. Je suis épuisée. Hello. Vous attendez quelqu'un, monsieur? Non, je viens juste récupérer ma robe. Je vais à l'hôtel pour l'essayer. Je te rejoins à l'église, ok? Allez, dépêche-toi. Tu sais quoi? On se voit à l'église. Je t'aime. Bye bye. Qui êtes-vous? Agent Calvin. Vous êtes attendu dans notre poste. Un poste? Quel poste? Et pourquoi? Vous êtes retenu coupable de crimes et de fraude, ainsi que le meurtre de Madame Diala. La dame à qui vous avez volé la somme de 5 millions de dollars, oui. Officier, s'il vous plaît. Vous venez de mentionner qui? Votre mère. John, tu as tué ma mère. John, tu as tué ma mère. S'il vous plaît, avancez. 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 Tu as tué ma mère. S'il vous plaît, avancez. C'est bon, ne touchez pas. C'est bon. Venez. Je me rassurerai que tu crois mes sans prison, John. Tu crois. Méchante chose. Ce n'est pas ce que tu crois. Tu as tué ma mère. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? Ce que tu crois. Un accident. Tu l'as tué. Tu vas le regretter toute ta vie, crois-moi. Officier, allez, roule. Chef. John. Ma propre mère. Oh Seigneur. Tu iras en prison, je me rassurerai que tu croupis en prison, bon à rien. Tu as tué ma mère et tu m'as menti. Tu as tué ma mère. Et moi, je me suis donnée à fond pour ton mariage, sans savoir que tu m'as enlevé la seule chose qui comptait pour moi. La seule chose dans cette vie. Que Dieu te punisse. Tu vas moisir en prison, tu peux compter sur moi. Alors, Collins, s'il te plaît, peux-tu venir me chercher à l'avenue Franca pour me déposer, ok? S'il te plaît, viens tout de suite, ok? Je t'attends. John, tu ne trouveras jamais la paix. John, tu ne trouveras... Ça te plaît? Oui, j'aime. Alors, ça veut dire que je suis pardonné? Si seulement tu me promets de ne plus me blesser. Bébé, Je promets de ne jamais plus te faire de la peine. Tu me le jures? Je te le jure. Promis? Promis. Là. Merci, bébé. De rien. Collins, sais-tu que tu as changé? Ah. Tu n'es pas le Collins que j'ai connu autrefois. Qu'est-il arrivé à la voiture de mon père que je t'ai donnée depuis le mois dernier jusqu'à présent? S'il vous plaît, c'est une histoire de temps. Mais je vais la réparer d'ici la semaine prochaine. Non, tu ne le feras pas réparer la semaine prochaine parce que mon père sera déjà là. Alors tu feras tout ce qui est possible pour la réparer ce week-end et la ramener dans son garage. Bien sûr, madame. Je le ferai. Et où est-ce que tu vas, là? Je faisais juste les 100 pas, madame. Viens, tu vas me déposer. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Ouais? Est-ce qu'il y a un problème? Je suis l'inspecteur Francis du Central. Je pense que vous êtes attendu pour un interrogatoire. Un interrogatoire? Officier, qu'est-ce que j'ai fait? Vous le saurez sur place. Ok, officier, s'il vous plaît, permettez-moi d'aller d'abord voir mon boss. Ensuite, je pourrai vous suivre au poste. Je dois voir mon boss. Ce n'est pas nécessaire. Votre boss est déjà au poste. Mon boss est déjà au poste? Allons-y. Ok, monsieur. On arrive. Monsieur, j'espère que... Waouh! Emeka! Mon frère! Emeka! Je n'arrive pas à y croire. Est-ce que c'est bien toi? Mon frère est rentré. C'est pas vrai. Mais quand est-ce que t'es rentré au pays? Je suis rentré il y a 2 jours. Il y a 2 jours? Ouais. C'est pas vrai, Emeka. Tu aurais simplement pu m'appeler pour me dire que tu es là. Je sais, j'étais juste très occupé. Je suis désolé. Tu étais occupé? Ouais. Regarde un peu cette voiture. Ouais. Mais, et, maman, est-ce qu'elle est au courant que t'es là? Non, elle n'est pas au courant. Ah. Ne lui dis pas que tu m'as vu. Je voudrais lui faire une surprise. Ok, compte sur moi. Tu peux compter sur moi, Emeka. Mais où est-ce que tu vas? Moi? Comme tu peux le voir, Emeka, tout à l'heure, je me rendais au bureau et là, je sors du poste de police. Ils m'ont convoqué pour un petit interrogatoire. Bah. C'est qu'ils m'accusent de vendre de faux produits à l'un de nos clients. Et pourtant, je ne le connais même pas. Je ne le connais même pas, je te dis. Je ne sais même pas qui c'est, mon frère. Ils disent que j'ai vendu de faux produits à cette personne. Sois juste très prudent. Tu sais que nous sommes au Nigeria, hein? Sois juste prudent. Ouais. Hein? D'accord, je dois y aller. Prends soin de toi, c'était bon de te voir. Ton sac. Mike! Et regardez mon frère, il ne m'a même pas demandé quel était le problème. C'est vraiment Emeka. Yeah. Bébé, enfin t'es là. La plus belle. Comment pourrais-je décevoir la plus belle? Oh. Comment tu vas? Eh bien, je peux dire que ça va mieux maintenant que t'es là. Mmh. Mmh. C'est super. Tu sais quoi? Quoi? J'ai fait quelque chose de très délicieux pour toi. T'as cuisiné? Qu'est-ce que c'est? Non, pas maintenant. Que dis-tu de monter et prendre ton bain? Ensuite, tu découvriras pas toi-même, n'est-ce pas? Monter et prendre un bain? Et si nous allions le prendre ensemble? Ouais! Non, arrête! Tu n'en reviendras pas, tu verras. Maman, de quoi parlait ton rêve? Depuis le matin, tu ne fais que secouer ta tête. J'ai vu Mike et Emeka lutter avec des couteaux. C'était si horrible, au point où toute leur tête avait sauté. Que Dieu m'en garde. Ah. J'espère et je prie, juste que tout ceci ne se réalise pas. Ah. Mais Emeka n'a pas dit qu'il viendra au Nigeria cette année. Il faut que je l'appelle pour lui demander s'il a eu un problème avec son frère. S'il avait eu un problème avec Mike, je sais que Mike t'aurait appelé pour t'en informer. Tu sais que Mike n'est pas de ce genre. Ah, je sais. Prends mon téléphone. Ok, maman. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis là pour travailler, ouvre le portail, laisse-moi travailler. Le patron m'a demandé de ne pas te laisser entrer dans son entreprise pour le moment. Le patron a dit que tu ne dois pas me laisser entrer dans son entreprise pour le moment. Pourquoi? Tu me le demandes, tu sais ce que tu as fait. Oh, alors laisse faire avec toi. Tu as perdu la tête. C'est sérieux, ça. C'est sérieux, ça. Je les ai même entendus dire qu'ils allaient te chasser de l'entreprise. C'est ce qu'ils ont dit. Ils vont me chasser de cette entreprise? Ok, ok. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce... Boss! Boss! Boss, c'est moi, Mike! Boss! Mais c'est... C'est pas vrai. Qu'est-ce que mes choses font dehors? Où est ce gardien? Allô? Oh, tu es rentré? Ouais. Qu'est-ce que mes effets font dehors avec mes sacs? Ton boss était là avec quelques gars. Il leur a demandé de mettre tes affaires dehors. Jeter mes effets dehors? Et où est le reste? Pour le reste, je ne sais pas. Mais c'est très sérieux, ça. S'il te plaît, qu'est-ce que tu lui as fait? Il était très en colère. Mon frère, c'est une longue histoire. Et qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Si tu veux mon conseil, alors tu dois partir d'ici le plus tôt possible. Il a ordonné à ses gardes de te bastonner sans pitié si jamais il te voit rôder autour de son entreprise. Mon Dieu. Laisse-moi prendre ton tact. Laisse-moi prendre ton taxi. Seigneur Jésus. Où vais-je aller à présent? Et ce ne sont même pas toutes mes choses. Peut-être que tu pourrais l'appeler au téléphone. Tu peux aller par là ou par là, mais il ne doit pas te trouver ici. Il a été très clair. Laisse-moi prendre un taxi. J'arrive. Ève, mon amour. Mike, qu'est-ce qu'il y a? Que fais-tu là? J'ai de gros problèmes. Oui, bébé, un très gros. Ça a toujours été comme ça depuis que je te connais. Si ce n'est pas un gros problème, c'est un petit problème. Tu as toujours de mauvaises nouvelles. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ève, arrête un peu de parler. Okay. Je ne plaisante pas. Pas de problème. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Mon boss est arrivé au boulot et a jeté mes effets hors de son entreprise. Et en quoi ça me concerne? Ève. Hein? Tu n'as pas pitié de moi après tout ce que je viens de te dire? Pitié? Ouais. Je suis habituée à de mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que la pitié a y voir là? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Les hommes achètent des terrains et des voitures pour leurs femmes. Mais qu'est-ce que j'ai? Yves, on m'a viré. Oh, je n'ai pas d'argent. Sois un homme pour une fois. Ne viens plus chez moi quand tu as des problèmes. Viens chez moi quand tu as de l'argent. Tu ne comprends pas? Comment peux-tu me parler ici, Ève? Comment peux-tu... Je n'ai absolument nulle part où aller. Hein, c'est pas vrai, Seigneur. Un homme mature comme moi qui n'a pas de maison. Bébé? Oui? Qui c'est? Ah, c'est rien. T'es sûr, j'ai entendu les voix. Ah, c'est juste ce mec voisin. Ce mec est toujours en train de m'embêter. Je ne sais même pas pourquoi mon gardien l'a laissé entrer cette fois-ci. Ça commence à bien faire là. Oh merde, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces Nigériens? Mais t'aurais dû m'en parler, j'aurais fait quelque chose. Quoi? T'es sérieux là? Du coup, tu décides de te transformer en Mère Teresa? Chérie, on a beaucoup à faire avec de l'argent. On ne doit pas gaspiller l'argent pour ça, non. Bébé, c'est juste un peu de cash. C'est un non. Je n'ai absolument nulle part où aller. Un homme mature comme moi, même ma petite amie ne me permet pas d'entrer chez elle. Où vais-je aller à présent? Non, non, je vais la supplier. Pas encore. Tu veux que je vienne avec toi? Non, non. Allô? Eve? Je n'ai nulle part où aller. Eve? Oh, Mike, laisse-moi! Laisse-moi me reposer, c'est quoi ton problème? Je t'en prie, calme-toi, je t'en prie. Oh, Seigneur! Okay. Comme Seigneur. Tu ne peux pas, écoute-moi d'abord. S'il te plaît, écoute-moi d'abord. Ok, je t'écoute. Merci, merci. Étant donné que tu ne veux pas que je vienne rester chez toi pour un moment, je t'en prie, prête-moi juste un peu d'argent pour que je puisse payer une nuit dans un hôtel pour dormir. Jamais. Je n'ai pas un centime à te donner. Et s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi me reposer. J'en ai besoin, s'il te plaît. Ok. Comme tu n'as pas de centime à me donner, l'argent que je t'ai donné est de garder pour moi. Vas-y, donne-le-moi. Au moins, je pourrais l'utiliser pour... Ta gueule. Hey. Hey, elle a dit ma gueule. Après tout ce que j'ai fait pour cette fille, elle me dit ma gueule. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. C'était le même mec? Tu ne vas pas le croire. Le même gars. Tu sais quoi, je vais lui dire. Attends, non, tu ne peux pas. Non, bébé, s'il te plaît, n'y va pas. Bébé! Je reviens. Y'a quelqu'un? Ouais. Collins. Que fais-tu? Pardon, tu me demandes ce que j'ai fait là? Je t'ai dit que je t'enverrai l'argent aujourd'hui, non? Tu essaies de me provoquer, Yemeka. Cela fait des jours que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je sais, c'est... Écoute, ma petite amie est là-dedans, ne m'embarrasse pas devant elle. Tu as peur que je te fasse honte. Sois tranquille, je te fais honte d'ici peu. Si tu ne m'envoies pas cet argent aujourd'hui, ok? Je te le promets, je te l'enverrai aujourd'hui, hein? S'il te plaît. Mais écoute, ok. Oh. Bébé? Ouais. Ça va? Ouais, bien sûr, pourquoi? Non. Ah, je voulais juste savoir. C'était un gars avec qui je fais des affaires. Ouais. Les affaires? Quel genre d'affaires? Eh bien, il m'a donné un peu d'argent pour investir pour lui et pour l'instant, l'investissement n'a encore rien donné. Ce gars n'arrête pas de m'embêter, il me suit partout, comme si j'allais fuir avec son argent. Ah, ok, c'est bon. Bébé, tu sais que tu peux me demander, n'est-ce pas? Ok, laisse-moi te donner un peu d'argent. Non, t'inquiète pas. C'est bon, je vais gérer ça. Es-tu sûr? Ouais. Ça va. Et quand est-ce que t'as dit que ton père allait envoyer les 10 milliards de Naira? Oh, ce n'est pas un problème. Il les enverra d'ici le week-end. Et voici ce que je vais faire. Je te donnerai une partie de cet argent. Ainsi, tu pourras t'en tirer d'affaires. Qu'est-ce que t'en dis? Merci, mon cœur. T'es la meilleure. Dis-le encore, bébé. T'es la meilleure. Dis-le encore. T'es la meilleure. Dis-le encore. Dis-le encore. Y'a pas mieux que toi. Chérie, quand est-ce que tu reviens? Je te verrai demain, ok? Aux premières lueurs du jour. Peux-je venir dans ton hôtel cette nuit pour te voir? Bébé, ce n'est pas nécessaire. Je te promets que tu me verras demain, ok? T'es sûr? Je te le promets. Ok. Ça me rappelle, quand irons-nous voir ta mère? Oh, ça. Ma mère a voyagé avec la première dame pour Abuja. Elles rentreront la semaine prochaine. Ok. Bébé, nous devons passer à la vitesse supérieure. Attends, tu veux m'épouser? Oh mon Dieu! Bébé! Je t'ai dit que je ne suis pas entrée dans ta vie pour m'amuser. Bébé, c'est si mignon. J'ai hâte qu'on devienne mari et femme. Bébé, je t'aime tellement. Je t'aime. Et moi encore plus. Je dois y aller, ok? Ok. Je te vois plus tard. D'accord. Prends son temps. Bye. Bye. Maman Ogini, je t'ai dit que je n'ai pas d'argent au Doromigu. Je t'appellerai, ne m'appelle pas. Koa Kego. Kwego Nwam. Kego. Hey! Tu n'as pas d'argent à donner à ta propre mère? Maman Gwemi. Moi, ta propre mère. Moi, Kego. Hey! Je ne t'ai pas élevée comme ça, oh. Pourquoi, ma fille? Pourquoi es-tu méchante comme ça envers moi? Veux-tu qu'on se moque de moi ici dans ce village? C'est ce que tu veux? Hein? À chaque fois que je t'appelle, tu n'as jamais d'argent. Hé, hey, ma fille, que veux-tu que je fasse? Hein? Réponds-moi. S'il te plaît, ma fille. S'il te plaît. S'il te plaît, ma fille, envoie-moi quelque chose, je veux manger. Maman, pourquoi parles-tu ainsi? Hein? Pourquoi parles-tu ainsi? Je n'ai pas encore de boulot. Moi, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, hein? Quand j'aurai finalement trouvé du boulot, je t'enverrai de l'argent. C'est une promesse, ne m'appelle pas. S'il te plaît, je t'appellerai moi-même. Oh? Maman. Ego. Ouak Ego. Ego. Cette fille est méchante. Cette fille est méchante jusqu'à qu'elle me raccroche au nez. Elle m'a raccroché au nez après toutes mes souffrances pour l'avoir mise au monde. Je ne savais pas que cette fille deviendrait comme ça. Je ne savais pas. Je le jure. Et j'ai entendu qu'elle vit comme une grande dame en ville. Et elle m'a laissée seule ici dans ce village, seule pour souffrir. Dégo, dégo. Hé, Neneme. J'ai un enfant, mais je vis comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Ah! Ah! It's just a waste of time on its own. You don't make it not to know your real self. Wasted years is all what you're gonna get. It's a terrible situation with so much commotion. It's without no solution. So my dear, you got to live real. Quelle beauté. Bonjour. Comment allez-vous? Mon nom est Emeka. Est-ce que tu es fou? N'as-tu pas de respect? Alors, parce que tu me vois marcher dans la rue, tu te permets de me parler n'importe comment? Excuse-moi, tu ne sais pas qui je suis, ok? D'accord? Alors, qui... C'est la voiture de mon père. Hein? Qui t'a donné cette voiture? Ce n'est pas la voiture. C'est la voiture de mon père. Qui t'a donné cette voiture? C'est la voiture de mon père. C'est la voiture de ton père. Tu es sérieux? Jeune homme, d'où sors-tu cette voiture? C'est la voiture de mon père. Collins. Allô, Collins? N'essaye pas de me mentir. À qui as-tu donné la voiture de mon père? J'ai vu un idiot dans la voiture de mon père. Qu'essayes-tu de me dire? Que si je vois la voiture de mon père, je ne serai même pas à même de la reconnaître? Collins, dis-moi ce que je veux entendre. À qui as-tu donné la voiture de mon père? Ça doit être le mécanicien. Parce que je l'ai dit de revenir avec la voiture. Je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Ne t'en fais pas. Collins est en train de me mentir. C'est bien la voiture de mon père. Cette voiture est celle de mon père. J'espère que ce garde ne m'a pas foutu dans la merde. Allô, Mekous? Ah. Mais pourquoi est-ce que tu traînes autant? J'hésite à ramener la voiture. Quoi? De quelle soupe tu parles? Non, pas d'heure sup. Ramène la voiture et mon agent, c'est tout. Ah! Allez, va te faire foutre. Malhonnête. Fake life is full of progressing. It's just a waste of time on its own. You don't make it not to know your real self. Waste 30 years is all what you gonna get. It's a terrible situation with so much commotion. It's without no solution. So my dear, you got to live real, live real. J'arrive. Qui est-ce? Eve. Eve, t'es encore là? Je suis en train de toucher une à deux personnes. Crois-moi, ça va marcher. Ça va marcher. Je ne comprends pas. Tu m'as supplié pour rester pendant 2 semaines. À présent, tes 2 semaines sont devenues 6 mois. Allô? Ma puce, s'il te plaît, je partirai bientôt, c'est promis. S'il te plaît, quand pars-tu exactement? Disons dans 4 semaines, d'ici 1 mois, je partirai. Ma chère, désolée, mais ce n'est pas possible, parce que mon père revient au Nigeria la semaine prochaine. Tu dois libérer cet endroit pour qu'il soit nettoyé. Ma puce, t'es mon amie, je ne comprends pas. Donne-moi un peu plus de temps, je t'en supplie. Est-ce que tu m'as comprise? Est-ce que j'ai été claire? Oui, je comprends. S'il te plaît, tu as juste 2 semaines pour quitter la lieu. Toi. Excuse-moi. Lizzie. Je ne comprends pas. Emeka est rentré. Comment? Quand est-il revenu? Il m'a dit qu'il est rentré il y a 2 jours de cela. Il y a 2 jours? Oui. Et il ne m'a pas appelé. Eh bien, je ne savais pas qu'il était là. Je l'ai rencontré en marchant dans la rue. Ah, c'est très étrange. Hum. Mon fils est rentré et il ne prend pas la peine de m'appeler. Oh, il a dit qu'il était vraiment très occupé. Occupé? Oui, maman. Occupé à faire quoi? Maman, je ne peux pas le savoir. Je ne sais vraiment pas. Maman, que se passe-t-il? Tu t'imagines? Emeka est de retour et aucune de nous n'est au courant de ça. Ah, Mike l'a croisé dans la rue. Mais maman, c'est impossible, ça. Grand frère, es-tu sûr de ce que tu dis? Ouais. Donc je ne reconnais plus mon petit frère. Et... J'ai discuté avec lui l'autre jour sur Facebook. Il me répondait comme s'il était encore là-bas. Eh bien, il m'a dit qu'il voulait que sa visite ici au village soit une visite surprise. Quel genre de surprise est-ce? Surprise de quoi? C'est tout ce qu'il m'a dit, en tout cas. Alors, Dieu seul sait pourquoi. Je n'en reviens pas. Non. Collins, s'il te plaît. Ne te fâche pas. Le truc, c'est que j'ai eu un petit souci, alors je devais le régler immédiatement. Alors, puis-je avoir mon argent maintenant? Ah, ouais, bien sûr. Ton argent. C'est juste là. Mercous, mais c'est quoi ça? Tu n'étais pas censé me donner 100 000 Naira. Je sais, mais s'il te plaît, prends d'abord ça. Demain à 7 heures, je te promets que tu auras le reste. Ah, tu me prends pour un con ou quoi? Colin, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je t'en supplie, hein. Merci beaucoup. Quand je dis que ce mec ne sait pas à qui il a affaire, ce gars joue avec moi. Pas de problème. Chérie. Je ne veux pas dormir si seule cette nuit. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne veux juste pas dormir seule. Ouais, et que puis-je faire? Puis-je passer la nuit avec toi dans ta chambre d'hôtel? Hein? Chérie, pouvons-nous avancer avec la date du mariage? Mais t'as dit que ta mère est encore à Abuja. Mes parents peuvent voyager à tout moment, ce n'est pas un problème. Tout dépend de toi. Ok. Le truc, c'est que je n'ai pas encore reçu le virement que j'attends. Je suis encore dans l'attente. Bébé, t'as l'air d'oublier. Mon père est très riche. Il est un sénateur. L'argent ne sera jamais un problème, peux-tu le comprendre? Ah, je comprends. Alors, quand irons-nous voir ta mère? Nous pouvons aller la voir demain et le week-end prochain, nous irons voir ta famille. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bien sûr, ça me va. Ouais. J'ai tellement hâte de rencontrer ma belle-mère. Alors? On peut? Bien sûr. À mon hôtel? Bien sûr. Ok. Cette vie, sans aucun doute, ne sourit vraiment pas à tout le monde. Alors là, pas du tout. Je suis toujours sous le choc. Donc, Eve a refusé que je dorme un peu de temps chez elle, juste parce que les choses sont devenues difficiles pour moi. Mais pourquoi est-ce qu'elle est en colère contre moi? Bébé, nous sommes ici à mon lieu de service. Qu'est-ce que tu fais ici? Arrête de m'embêter, s'il te plaît. Ne t'ai-je pas dit au téléphone que j'avais quelque chose de très important à te dire? Maintenant, tu me demandes ce que je fais ici. Mon amour, tu l'as fait, mais j'étais tellement occupée. J'ai eu une journée très mouvementée. Ok, très bien. T'as une journée mouvementée. Comme ça, ton travail est plus important que mon bien-être, c'est ça? Mon amour, ce n'est pas ce que... Alors, qu'est-ce que tu dis? Écoute, tu es ma pire rencontre. La plus grosse erreur de ma vie. Essaye un peu d'y penser. Pourquoi moi? Yves Diala, la fille du sénateur le plus respecté de la fédération, a pu tomber amoureuse d'un homme ordinaire comme toi. Tu es ma pire rencontre. Mon amour, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit que t'es ma pire rencontre et je vais refaire ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, tiens-toi loin de moi, tu m'entends? Ne t'approche pas de moi. Pourquoi est-ce que tu es en colère à chaque fois que tu me vois? Bébé. Ah. Ok, chérie, attends. Ne m'appelle pas. Regarde, écoute, ici on en parlait, attends. Hé, allez, attends-moi, mon amour. Arrête de crier mon nom comme un fou. Arrête de crier mon nom comme un fou. Bébé, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'arrêter un instant, je t'en prie. Bébé. Quoi? Je suis loin. Mike, arrête de me suivre. Pourquoi t'ai-je laissé faire ça? Pourquoi t'ai-je laissé faire ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je t'ai fait? Faire quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Te laisser me mettre enceinte. C'est de ça que je veux parler. Eh, mon amour. T'es enceinte. C'est pour ça que t'es là. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Tu vois mon problème. Tu vois mon problème avec toi. Tu ne réfléchis pas. Une bonne nouvelle, tu dis? Oui. Oui, parce que je suis censée aller dire à mon père que le fils d'un moins que rien m'a mis enceinte. Bien joué. Eve, arrête un peu de faire ça. Tu me fais beaucoup de peine, tu as pensé à mon cœur. Je t'ai pourtant dit maintes fois que je suis en attente d'une promotion qui arrivera certainement le mois prochain. Dès que c'est fait, je dépose sur le champ. Mon amour, tu dois me croire, je déposerai une importante somme d'argent dans ton compte pour que tu me la gardes. Une promotion? Ouais. Alors je suis censée m'asseoir et regarder tes beaux yeux? Et attendre ta misérable promotion. Laisse-moi te dire un truc. Tu vois cet argent que tu m'as promis? Je veux l'avoir demain. Si je ne le vois pas demain, considère cette histoire entre nous terminée. Et je le pense. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu me menaces comme ça? Ma chérie, est-ce que nous pouvons nous asseoir et en parler comme des amoureux? Pouvons-nous avoir une conversation raisonnable? Chérie! J'irai confronter Eve et je récupérerai mon argent. Je ne lui laisserai pas mon argent. Pour le moment, j'abandonnerai le bébé. J'irai vers le bébé quand il sera assez grand pour connaître la vérité. C'est ce que je vais faire. Maman! Surprise! Donc c'est vrai. Tu es revenu au pays et tu n'as même pas daigné venir me voir. Allez, maman. Je suis ton fils. Et ça fait des années. Hein? Souhaite-moi la bienvenue. Tu aurais dû me dire que tu es rentré. Je suis désolé, maman. Pardonne-moi. Hein? Tu m'as manqué. Tu as gagné. Bienvenue. Maman des mamas. Mmh. Tu as bonne mine. Merci, Bobko. Ah, maman. Vois-tu cette jolie demoiselle? C'est la femme qui détient mon cœur. La femme qui me rend heureux. Oh. Et j'aimerais passer le restant de mes jours avec elle. C'est la fille unique du sénateur Diala de Onocho. Ouais. Oui. Sois la bienvenue, ma magnifique fille. Merci pour l'accueil, maman. Bienvenue. Merci. Chérie, peux-tu montrer un aperçu de comment les gens de la haute classe marchent? Allez, bébé. Maman, regarde comment elle marche. Ah, Kodaga. Oh, mon Dieu. Elle est très belle. Maman, regarde ça. Regarde ça, c'est magnifique. C'est pour moi, maman. Ok, mon fils. C'est pour moi. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Prends place, ma fille. Oh mon Dieu, regarde ça. Regarde ces courbes. Ah. Oh. Grand frère Mike, tu n'as pas trop à t'en faire. Je sais que tu viens de perdre ton boulot, mais je sais que le Seigneur peut encore faire quelque chose. Fais-lui confiance, tout va s'arranger. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Qu'est-ce que maman te disait? Je vous ai entendu. Cette voix que j'entends là, elle ressemble beaucoup à la voix d'Emeka. Grand frère Emeka? Ça, c'est la voix d'Emeka. Encore une fois, sois la bienvenue, ma fille. Merci, maman. Ça, c'est ma petite sœur. Grand frère. Bienvenue. Merci. Wow. Qu'est-ce que tu manges? Regarde comment t'as grossi. Ne me dis pas que tu as oublié que ça a toujours été mon poids. Voilà. Tu ne changeras jamais, toi. Ah, t'as vraiment pas changé, toi. Sois le bienvenu. Bah, je te présente ma sublime fiancée. Je pense l'avoir déjà vue quelque part. Non. Moi? Oh. Oh, ma chérie, tu sais, les gens se ressemblent. Tu t'es trompée, crois-moi. C'est sûrement ça. Ma fille, tu dois la comprendre. Elle, c'est la fille du sénateur Diala. Oh, oui. Waouh. Sois la bienvenue. Merci. J'espère que tu sais que mon frère est un mignon garçon. C'est magnifique. C'est ça, quoi, je pense. N'est-elle pas belle? N'est-elle pas magnifique? Oui, ouais. Elle est belle. Sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Oh. Moi, c'est Neka. Oh, Neka. Oui. Je suis ravie de faire ta connaissance. Merci. Toi, va à la cuisine, leur chercher quelque chose à manger. Je sais. Merci. Ah. Tout va bien? Ouais, ouais, ça va. Je veux que tu sois à l'aise. Merci. Ah. Grand frère Mike, c'est grand frère Emeka. Emeka est revenu. Oui, il est revenu avec sa petite amie. Oh. Tu dois la voir, elle est très belle. Tu viens lui dire bonjour. Oh, petite sœur, je l'ai déjà dit maintes fois, je n'ai vraiment pas la tête à tout ça. Grand frère Mike, tu t'inquiètes encore pour ton boulot? Je t'ai dit d'avoir la foi, non? Tu devrais être content que ton frère Emeka soit rentré, qui sait? Peut-être qu'il te donnera un peu d'argent pour que tu te lances dans quelque chose. Oh, tu ne comprends toujours pas. Je ne suis vraiment pas d'humeur à tout ça. J'ai beaucoup d'autres choses qui me prennent la tête en ce moment. Des choses comme quoi? Écoute, s'il te plaît. Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. S'il te plaît, laisse-moi. Ok, permets-moi de finir de cuisiner. Oui, c'est ça, vas-y. Je ne comprends vraiment pas. Après tous mes efforts, j'ai vraiment tout essayé. Tout est... Mon frère. Emeka. Tu vas bien? Ça peut aller. Ça peut aller. Que veux-tu dire par ça peut aller? Quel est le problème? Il a perdu son travail et la maison qu'on lui avait donnée. Non, je suis désolé, mon frère. C'est pas grave. T'en fais pas. On trouvera une solution. Tu es sérieux? Ouais. Je suis venu avec ma fiancée, j'aimerais te la présenter. Ta fiancée? T'es sérieux? Viens voir de qui je parle, allons-y. Bébé, je voudrais te présenter mon frère aîné. Ouais. C'est mon frère aîné. Eve. Attends, tu la connais? Bébé. Est-il ton frère? Ouais, c'est mon frère aîné. Oh. Eve. Hein? Que diable fais-tu avec mon petit frère, espèce de salope? C'est bon, là. C'est quoi ton problème? C'est ma fiancée. Quoi? Non, mais attends un instant. C'est comme ça que tu vois les choses? Oh, parce que je t'ai donné mon numéro et que je t'ai permis de déjeuner avec moi, fais de moi ta fiancée pour autant, n'est-ce pas? Écoute, ne me renie surtout pas, Eve. Tu es ma fiancée. Oh, mais arrête-toi là, arrête-toi, c'est bon. Ne me renie surtout pas, Eve. Tu es ma fiancée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que tu m'as donné un peu d'argent pour acheter du gaz. Tu m'appelles? Ne lui prête pas attention, tu sais quoi, mon chéri? S'il te plaît, peux-tu m'amener loin d'ici? Ouais, t'as raison, c'est stressant. Tu n'iras absolument nulle part tant que tu ne m'auras pas remis l'argent que je t'ai donné. Mon frère, ça devient embêtant, tu devrais arrêter, ok? Hé, mon frère, écoute, reste en dehors de ça. Qui doit rester en dehors de ça? Chérie. Tu parles à ma fiancée, tu me demandes de rester en dehors. Elle est enceinte de moi. Oh, c'est aussi ce qu'elle t'a dit? Ce bébé qu'elle attend est le mien. T'es faux. Tu déconnes. Bébé, écoute-moi. Hé, toi, tu ne la connais pas. Tu ne la touches pas. Tu ne la connais pas, cette fille. Tu la connais, n'est-ce pas? Tu la connais. Mac, arrête ça! Tu n'iras nulle part! Tu ne connais pas cette fille! Arrête, tu ne parles pas ici! Tu ne connais pas cette fille! Je te préviens! Écoute, je te dis, tu es averti! Déroule de jouer avec le feu! Tu ne connais pas cette fille! Tu la connais très bien! Écoute, je peux te le dire! Écoute, cette fille, elle va te faire du mal! Je te mets en garde, mais tu ne peux pas m'écouter! Écoutez, pour l'instant, je ne veux absolument pas parler de mon enfant. Tout ce que je veux pour le moment, c'est l'argent que j'ai pris la peine de te donner de garder, et tu me le rendras. Ma fille. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu connais Mike? Oui, je le connais. Tu as entendu ce qu'il a dit? Est-ce vrai? Ce n'est pas vrai. Dites-moi, est-ce un crime pour une femme d'accepter l'amitié d'un homme ou alors les cadeaux? C'est tout, il m'a invité à en manger et j'ai accepté. Peut-être je n'aurais pas dû, car c'est la seule raison pour laquelle nous sommes assis là à discuter inutilement. Hey, essayes-tu de nous dire que tu attends son enfant? Avec tout le respect, monsieur. Oui. Comment peut-on être enceinte d'un homme qui ne nous a jamais touchés auparavant? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Eve, Eve, tu mens en me regardant dans les yeux. Tu sais quoi? Je vois qu'une nouvelle version de pauvreté est en train d'affecter ton misérable cerveau. Pourquoi ne pouvais-tu pas me demander de l'argent au lieu de m'embarrasser de la sorte? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Chérie, j'en ai plus qu'assez. Qu'est-ce que t'attends pour qu'on parte? Oh non. Je pense que je mérite des excuses pour cette insulte. Et je le mérite vraiment. Je suis sincèrement désolé, et si tu veux qu'on parte alors... Ok, maintenant, jure-le. Jure que je ne t'ai jamais donné de l'argent de garder. Jure-le. Bébé, allons-y. Si je comprends bien, est-ce à cause de qui je suis? Comme ça, tu penses que j'ai peur de toi? C'est ce que tu penses? Tu penses que j'ai peur de ton père? Je n'ai ni peur de toi et encore moins de ton père. Vous ne pouvez rien me faire. Vraiment? T'as pas peur de mon père? le sénateur le plus respecté de la fédération. T'as pas peur de lui, c'est ça? Bébé, j'en ai plus qu'assez. Retrouve-moi dans la voiture. Tu n'iras nulle part. Dégage de là. Assieds-toi. J'ai dit assis. Mon oncle, c'est à cause de toi que je me calme. J'ai dit assieds-toi, Mike. Mon oncle, ce n'est qu'à cause de toi que je me calme. C'est à cause de toi que je me calme. Mais je ne laisserai pas cet argent. Je ne laisserai pas mon argent. Je le jure, je ne laisserai pas mon argent. Mon fils. Maman. Calme-toi. Nous saurons la vérité sur cette histoire. Maman, si jamais il arrive que je me fâche, je vais faire un véritable malheur. Si je me fâche, maman, je vais faire un véritable malheur. Grand frère, c'est bon. Calme-toi. Comme ma maladie, on saura la vérité. Ok ? Es-tu aveugle? Mais tu m'as salé! Ah! Maman, tu mors! Bébé! Je suis vraiment... Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec tes excuses? Pardonne-moi, hein? Pardonne-moi, je t'en prie. Oh, Kiko! Je suis désolé. Pardon? Biko! Ah ah! Oh, Kiko! Qu'est-ce qu'elle raconte? Je vous demande pardon! Tu la connais, bébé? Chérie, allons-nous-en, ok? On y va. Bébé, entre dans la voiture. Ego! Ego! Je ne vous connais pas! Ah! Hey! Ekego! Hey! Maman, te souviens-tu de ce que j'ai dit quand j'ai posé mes yeux sur cette femme? Et qu'as-tu dit? Que son visage m'était familier. Oui, dans le téléphone de grand frère Mike. Donc tu l'avais dit? Pourquoi devrais-je mentir? Ah, Mike, que je connais, n'est pas un menteur. Alors, cette histoire est sérieuse. Tu as raison, et je crois en grand frère Mike. Si cette femme est vraiment enceinte, ce bébé devrait être de lui. Seule une femme connaît qui est le père de son enfant. Cette femme ne cherche à troubler la paix qui règne dans cette maison. Tu imagines Mike et Emeka bagarrer pour une femme? Le Seigneur ne permettra pas qu'ils en arrivent jusqu'à... Souviens-toi. Tu te souviens du rêve que je t'avais raconté? Celui dans lequel tu les as vus avec des couteaux? Maman, cela n'est pas arrivé. Oui, maman. Grâce à Dieu, ce n'est pas arrivé. Hey! Ma fille? Ma propre fille m'a régnée. Moi, sa mère. Hey! Hey! Alloué, mais pourquoi est-elle méchante envers moi? Qu'ai-je fait? Hein? Qu'ai-je fait? Ah! Hey! Oh, biadouam! Biadouam! Hey! Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce que tu as à dire? À quel sujet? Non, ne me dis pas que tu as cru en ton frère. Ne me dis pas que tu as cru à tous ces mensonges. Parce que je ne l'ai pas fait arrêter. C'est ça? Est-ce qu'il t'a donné de l'argent? L'argent? Oh Seigneur. Regarde ton frère et regarde-moi très bien. Je crois avoir entendu qu'il n'a pas de boulot. Tu ne comprends pas? Es-tu enceinte de lui? Je suis... Comme ça, quelqu'un de ma classe serait assez stupide et à l'écart de ses jambes pour cette racaille. Parce que c'est la seule façon dont je pourrais tomber enceinte de lui. Est-ce que tu me comprends? Ok. Écoute, je voulais juste me rassurer et je n'ai aucune envie de mener un combat honteux. T'en fais pas. Je mènerai ce combat. Je pense que je dois informer mon père. Oui. Bébé. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Je t'aime encore plus et je ne veux pas te perdre. Tu sais quoi, je dois y aller maintenant. Demain, nous irons voir ton oncle pour arrêter une dette à laquelle nous irons voir ton père. Ça me va. C'est bon. Bye, chérie. À plus tard. Où est votre fille? Oh, elle pense qu'elle peut gâcher ma vie et s'en sortir aussi facilement. Nam, je ne sais pas où. Tu sais, à Bienimabou, j'ai une fille. Je vis comme quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Même ceux qui n'ont pas d'enfant vivent mieux que moi. Madame, vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Où se cache-t-elle? Où est votre fille? Sais-tu que ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas posé mes yeux sur ma fille? Elle est partie de cette maison. Moi, sa mère. Ça fera 6 mois aujourd'hui. Je n'ai pas posé mes yeux sur elle. J'ai vu ma fille aujourd'hui au rond-point. Cette fille a fait semblant de ne pas me connaître. Ma fille a fait comme si elle ne me connaissait pas. Mais qu'est-ce que vous racontez même? Qu'est-ce que vous racontez? Vous ne l'avez pas vue depuis plus de 6 mois. Et vous l'avez vue aujourd'hui. Et elle s'est enfuie. Qu'est-ce que ça signifie? Dame, j'ai vu ma fille aujourd'hui. Ah! Oh Bunabo, Seigneur, tu m'as laissé tomber. J'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. Ma fille m'a brisé le cœur. Ma fille m'a ignoré en plein carrefour devant un étranger. Maman, dis-lui que elle ne pourra pas se cacher éternellement. Dites-le-lui. Dites-le-lui. Je suis en train de dire que je ne connais pas où elle est. Je ne connais pas où elle vit. Oh. Je ne connais pas où elle vit. Ya. Wakego. Wakego. Pianewuna. Miakego. Emeka. As-tu posé des questions à ta femme? Concernant le problème que ton frère Mike a soulevé l'autre jour. Mon oncle, ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici pour parler de mon mariage traditionnel avec elle, qui aura lieu ce samedi. M'accompagneras-tu à Omuchu ou tu veux que je prenne d'autres personnes pour m'accompagner? Emeka, pourquoi es-tu têtu? Nous sommes ici pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas ici pour résoudre quoi que ce soit avec qui que ce soit. Peu m'importe ce que c'est, ça m'est complètement égal. C'est pas vrai. Emeka, ne me pousse pas à me fâcher contre toi. Si tu te mets en colère, je te remettrai à ta place. Très bien. Très bien. Alors il n'y aura pas de mariage tant qu'elle n'aura pas mis au monde mon enfant. Et tant qu'elle ne m'aura pas remis mes 2 millions de naira. T'es très drôle. Tu m'entends? Tu es vraiment très drôle. Et tu ne sais. S'il te plaît, tu peux t'en aller. Je peux m'en occuper. Si tu le dis, je vous demande de la route. Et maintenant? Êtes-vous fiers maintenant que ce soit un ennemi de cette famille qui doit venir pour résoudre nos problèmes? Ça vous fait plaisir? Maman, dis à ton fils. Dis-lui de se respecter. Car si ma femme perd cet enfant, je ne lui pardonnerai jamais. Ok. Dis-lui de se respecter. Maman, tu entends comment il me parle? Tu entends comment il me parle? S'il te plaît. Demande-lui de dire à sa femme, sa bonne à rien de copine, Eve, de me rembourser mes 2 millions de naira. Vas-tu m'écouter? S'il te plaît, dis-lui de me restituer mes 2 millions de naira. Et elle devra faire un test de paternité si vous voulez vous marier. Sinon, il n'y aura pas de mariage. Je t'aurais prévenu. À qui tu t'adresses? À qui t'adresses-tu? Moi? Je pense que t'as perdu la tête. T'es devenu faux. Est-ce que tu entends comment est-ce qu'il est en train de me parler? Respecte-toi! Dois me respecter? Oui. Tu me demandes si c'est à moi que tu t'adresses? Bon, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Bon, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir briser mon cœur? Tu veux que je meure? Ah, si tu veux mourir, tu n'as qu'à mourir. Qui t'empêche de mourir? Écoute, si j'ai bonne mémoire, je ne t'ai pas invité ici, alors que fais-tu là? Eve, toi et moi étions supposés nous marier demain. Et aujourd'hui, tu veux me faire accepter l'idée selon laquelle tu te maries avec un autre homme demain? Je ne t'ai pas promis le mariage. T'ai-je un jour promis de t'épouser? C'est pas vrai, Eve. Était-ce un esprit? Eve, tu ne m'as pas promis de m'épouser. Toi et moi avions pourtant un accord. Nous avions même déjà trouvé un terrain d'entente. On s'est entendu sur 2 millions. Je t'ai donné 2 millions de naira pour notre mariage, Eve. Écoute, je suis libre d'épouser qui diable je veux. J'espère que tu comprends. Que se passe-t-il ici? Bébé, s'il te plaît, viens. Cet individu essaye d'empêcher notre mariage. Démontre-lui pourquoi. Emeka, quand est-ce que tu es rentré au pays? Mais c'est quoi cette stupide question? Mon corps est celui qui veut empêcher notre mariage. Empêcher quoi, Emeka? Emeka, c'est ma copine, c'est ma fiancée. Et alors quoi? Parce qu'elle est ta fiancée, que vous êtes sortis ensemble, elle ne peut pas épouser un autre homme, c'est ce que tu dis? Non. Eve, tu ne peux pas me faire ça. Eve, ne me fais pas ça. Tu fais le Eve, sors d'ici. Que je parte? Il t'a demandé de partir, mais va-t'en. Après tout ce que j'ai fait pour toi. S'il te plaît, va-t'en, t'es sous. Tu dis de partir? Donc, c'est ça ton plan? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Emeka, je suis resté tranquille pendant longtemps. Si tu n'attends pas qu'elle accouche de mon enfant, avant de l'épouser, alors rends-moi tous les millions que j'ai dépensés pour ton voyage à l'étranger. Tu perds ton temps. Oui, t'es en train de perdre ton putain de temps parce que je ne vais même pas te donner un seul centime! À présent, écoute-moi. Si jamais je te vois tourner autour de Eve, tu regretteras d'être mon frère. Emeka, je n'ai rien à te donner! Emeka, tu vas me remettre tout cet argent ici et maintenant. À qui crois-tu que tu parles? Qu'est-ce que tu fumes quand tu te lèves le matin? Es-tu fou? Emeka, moi, Mike, je vais te montrer ce que je fais maintenant, à mon réveil. Arrêtez ça. Mes frères, arrêtez ça. Mes frères, non, s'il vous plaît, non. C'est quoi comme ça? Sinon, vous allez me battre tous les deux. Qu'est-ce qui vous arrive? Mes frères, c'est bon maintenant, non? Tu as la chance que maman est là. Sinon, je t'aurais donné une correction. Tu crois que j'ai peur? Tu veux te battre? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Regarde, hein? C'est une promesse, je vais te régler ton compte, crois-moi. Ferme ta bouche, ferme ça. S'il te plaît, arrête ça, c'est ton grand frère, tu lui dois du respect. Arrête ça, non, respecte ton grand frère. C'est bon, je me suis calmé. Arrête ça, mon fils. Hey, Emeka, grand frère. Hey, grand frère, Emeka. Emeka, tu as tué ton frère. Où est-ce que tu vas? Grand frère, Emeka, tu as vu ce que tu as fait. Où est-ce que tu vas? Ça va aller. Désolé. S'il te plaît, attends. C'est lui, là, officier. C'est lui. Emeka, qu'est-ce que tu es en train de faire? Maman, écoute. Grand frère, Emeka, ce n'est pas juste. Il m'agressait. Là, tu as arrêté. Jeune homme. Officier, vous pouvez l'emmener. Jeune homme. Si tu fais ça, je ne te pardonnerai pas. Officier. Jeune homme, je vous arrête. Arrêtez-le. Maintenant, avancez. Grand frère, Emeka, mais qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez avancer. Emeka, je ne te pardonnerai jamais. Grand frère. Emeka. S'il vous plaît, ne le brutalisez pas. Emeka, tu vois cet argent. S'il vous plaît, avancez, monsieur. Tu vois cet argent. Quand je serai de retour, tu verras que je... Doucement, avancez, monsieur, avancez. Tu vas le rendre. Officier, emmenez-le. Tu vas me remettre cet argent à mon retour. Si vous êtes un homme mort. Emeka, c'est quoi ton problème? Inspecteur, vous me faites mal. Non, mais allez, avancez. Vous me faites mal. On n'a pas beaucoup de temps. Grand frère, ce n'est pas juste. Je ne te pardonnerai. Allô? Ouais, je t'écoute. Hein? Maman, ça va aller, ok? Ma tête me fait mal. Ta température est élevée. Maman, attends-moi là, je m'avais cherché une ok qui pourra nous amener à l'hôpital. Okay. Ça fait 2 jours que ton frère est enfermé en cellule et tu refuses de le faire sortir. Emeka, c'est injuste. Laisse-moi te dire une chose. Le sang restera toujours le sang. Aussi longtemps que Mike ne voudra pas ma paix et mon bonheur, ce ne sera plus mon frère. Pas la peine de le dire. J'attire ton attention maintenant. Va le faire sortir. Mais si tu refuses, alors très bien, j'en informerai notre famille. Odogo, alors tu sais ce que ça signifie. Je le ferai sortir, le moment venu. Alors, c'est ce que tu dis. Ouais. Ok. C'est comme tu veux, tu as gagné. Nous viendrons. On arrive. Je t'en remercie. Ayame Omorike. Je t'en remercie. Salut, Thierry. Oh, bonjour mon fils, sois le bienvenu. Oh, merci monsieur. S'il vous plaît, connaissez-vous un certain Emeka? Emeka? Oui monsieur. Connaissez-vous le nom de son père? Oh non, mais il vient juste de rentrer de l'étranger. Il vient de rentrer de l'étranger. Oui monsieur. Ok. Y a-t-il un problème? Non, 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 pas du tout. C'est juste mon partenaire d'affaires. Oh, ton partenaire d'affaires. Oui, monsieur. Ok, ce n'est pas un problème. Pour y aller, cet arbre, vous le voyez? Ok, monsieur. C'est la concession de son père. Ok, c'est lui en face de moi. Ah, d'accord. Merci, Tien. D'accord. Merci infiniment, monsieur. Je t'en prie. Hein? Merci. Bye bye. C'est toi, Emeka. Et qui êtes-vous? Moi, c'est Dan. Et où est ma femme avec qui tu passes le temps à t'afficher dans toute la ville? Comme ça, ils t'ont envoyé. Aussi vieux que tu es, tu leur as permis de t'envoyer ici. N'as-tu vraiment rien de mieux à faire? Sais-tu à qui tu t'adresses? Ou alors sais-tu de quoi je suis capable? Et toi, tu sais qui je suis? Sais-tu de quoi je suis capable? Mon ami, barre-toi de chez moi, tu as perdu la tête. Tu viens chez moi me parler ainsi. Je vais me répéter. Où puis-je trouver ma femme? Est-ce que je ressemble au gardien de ta femme? Je t'ai demandé de sortir d'ici. Tu penses que tu me fais peur? Mon ami, s'il te plaît, je ne veux pas te faire de mal. Je reviendrai pour toi. Oh, je t'attendrai. Regardez-le. Je suis là à me casser la tête pour mon mariage et il vient me demander où est sa femme. Je vais donner à ce garçon une bonne leçon. Ah. l'argent de la concession de son père. J'aurais voulu qu'il sorte. Je lui aurais réglé son compte. Idiot. Mais écoute. Ouais, Colin, squad 9. Bro, je te l'ai dit, je ne suis pas en train de t'éviter. Ne t'en fais pas, je te la ramènerai. Je ne vais pas m'enfuir avec ta voiture. Hein? Mais tu te taire et s'il te plaît changer de disque. Mais qu'est-ce que tu racontes? Maintenant écoute-moi, Mekous. Si tu ne me ramènes pas cette voiture aujourd'hui, je te ferai arrêter et je t'enfermerai. Ah, tu me prends pour un enfant? Maintenant écoute-moi, Mika. Ne plaisante pas avec moi. Tu es prévenu. Parce que moi, je ne plaisante pas avec mes affaires. Je ne sais même pas pourquoi je lui ai promis cet argent. Je n'ai pas besoin de stress. Grand frère Ebeka, tu es content, n'est-ce pas? Tu es content, n'est-ce pas? Tu es content. La tension artérielle de maman est montée, mais tu es assis là. Je ne sais pas à quel moment tu es devenu sans cœur. Mon ami, revois ta façon de me parler. Je suis ton Je te parlerai comme j'en aurai envie. Tu veux du respect, n'est-ce pas? Mais tu ne respectes pas maman, ni grand frère Mike. Si quelque chose arrive à maman, là tu verras mon vrai visage. Peux-tu te dégager ici, t'es malade? Je ne suis pas folle. C'est tout. Qu'est-ce que tu dis? À qui tu parles? Ok, je pense que je dois aller le chercher chez sa petite amie. Qui sait, il pourrait y être. It's without no solution, so my dad, you got to leave it. Ouais. Puis-je vous aider? Je cherche Emeka. Y a-t-il un problème? Est-il là ou pas? Soit vous me dites qui vous êtes et pourquoi vous êtes là, soit vous faites demi-tour et vous vous en allez. Essaies-tu de m'intimider? Je t'ai dit quoi faire. Et c'est la seule façon dont je saurais si tu es vraiment sérieux. Vraiment? Oui, vraiment. Alors il faut que je te dise pourquoi je le cherche avant que tu ne répondes à ma question. Exactement. C'est la seule façon dont je saurais si tu le connais vraiment. Ne me tourne plus jamais le dos. Sais-tu qui je suis? Non, c'est moi qui devrais te poser cette question. Sais-tu qui je suis? Et sais-tu qui est mon père? Fais un geste déplacé. Je te fais coffrer. Tu comprends? Mmh. T'as l'air affamé. T'as faim? Hein? Alors c'est comme ça maintenant. Je vais en finir avec cet Emeka. Je vais en finir avec cet Emeka. Hey! Hey! Oh, oh. Ah. Fatigué de te cacher. Comment m'as-tu retrouvé? Comment m'as-tu retrouvé? Où est mon argent? Dan, écoute, je peux t'expliquer. Écoute, je ne voulais pas partir avec ton agent. C'était un accident. Où est mon argent? Arrête de crier, je suis désolée. Écoute, je peux t'expliquer, il y a eu un malentendu, je te le jure. Oh, il y a eu un malentendu. Tu as conspiré avec ton petit ami pour me tuer? Ah, non! C'est ça le supposé malentendu? Non, je te jure, c'est pas ce qui s'est passé, je vais t'expliquer, écoute. Où est mon argent? Arrête de crier, s'il te plaît. Arrête de crier, s'il te plaît. Que se passe-t-il? Chérie, il veut me faire du mal, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Tu ne changeras jamais. Chérie, j'ai entendu qu'il vient de sortir des désintoxications. Je suis sérieuse, il veut me faire du mal. Ah, je t'ai dit de rester en dehors de ça. Mon ami, tu la fermes, ne viens pas dans cette maison me parler ainsi. C'est ma femme, je te l'ai dit. Et c'est un problème familial. Que Dieu m'en garde. Jésus. Moi, ta femme! Chérie, je te l'ai dit! C'est bon, hey, on a mis dehors. Sors de cette maison! Mec, tu vas le regretter. Toi, tu regretteras ta vie! De quel droit tu viens ici me menacer? Regarde, tu vas le regretter dans les 5 prochaines minutes. Mon ami, sort d'ici, sors de ma maison! Qui est-ce que tu menaces? T'es malade? Ok. Attends-moi. Attends-moi. Bébé, écoute, nous devons partir sur le champ. S'il te plaît, allons-nous-en. Il peut revenir me faire du mal, s'il te plaît. Pourquoi partir d'ici? C'est ta maison. Chérie, s'il te plaît, écoute-moi pour une fois. Ce n'est pas prudent. Allons-nous-en. N'importe où, peu importe. Partons, s'il te plaît. Oui, je les ai. Tiens. Allons-y. What you gonna get? It's a terrible situation with so much commotion. It's without no solution. So my dear, you got to leave it. Maman. Maman, bonjour. Tu es là. Bonjour, maman. Et où est ton frère? Si tu ne me ramènes pas ton frère, je vais te porter plainte. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, après que tu aies utilisé la maison de mon père, tu l'as laissée dans un piteux état, malgré le fait que je t'ai prévenu que mon père devait rentrer. Dis-moi, comment peux-tu être aussi insensible et ingrate? Ma puce. Honnêtement, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense. Donne-moi les clés. Hein? Les clés! Donne-les-moi! Un instant, je les cherche. S'il te plaît, ne me perds pas de temps. Donne-moi. Et toi? Pourquoi est-ce que la voiture de mon père est garée dehors? De quoi est-ce que tu parles? Comme ça, tu ne sais pas de quoi je parle. Personne ne t'a dit que la fille du sénateur Diala, son unique fille, est folle. Tata, excusez-moi. Un instant. Venez-vous de dire que vous êtes la fille unique du sénateur Diala? Oui. Oh mon Dieu, et je suis folle. Que se passe-t-il? Tu disais être la fille unique du sénateur Diala. Que se passe-t-il ici? Alors c'est vrai. Comme ça, tu as passé le temps à usurper mon identité. Raconter aux gens que tu es la fille unique du sénateur Diala, acheter des choses à crédit. Oh mec, tu auras de mes nouvelles. Et maman, dis à ton fils de ramener ma voiture aujourd'hui. Si jamais il ne le fait pas, quand je reviendrai ici demain, je ferai arrêter tout le monde dans cette maison. Ma fille, arrête tout le monde. Arrête-les tous. Je n'en fais pas partie. Je suis calme. Je suis une femme très calme, mais je suis folle. Moi, je n'en fais pas partie. Oh, incroyable. Et... Maman, il n'a quoi? De quoi est-ce qu'elle parlait? Oh. De quoi est-ce qu'elle parlait? Écoute, bébé. Je peux m'expliquer. Vas-y, explique. Ouais, vas-y, je t'écoute. Donc, j'ai gâché mon temps avec un imposteur. C'est pour elle que tu voulais tuer ton frère. Je suis fini. Tu vois donc? Ah, et mes gars. Ah, ça en est fini de moi. Hey. Vas-tu renoncer à nous? Tu dis? Renoncer à qui? Si jamais je te donne une claque! Incroyable. Tu dois être fêlé dans ta tête! Et nous quoi? Hey! Renoncer à... Ah! Une arnaqueuse qui arnaque un arnaqueur! Sors de cette maison. Prends ton sac et dégage. Oui, allô, Collins? Allô? Allô, Collins, est-ce que tu m'entends? Écoute, Collins, je veux que tu ailles chercher la voiture de mon père chez ce mec aujourd'hui. Quoi? Ok, tu as déjà envoyé quelqu'un la chercher. Très bien, s'il te plaît, aujourd'hui. Si je ne vois pas cette voiture aujourd'hui, Collins, tu verras un autre côté de moi. Connerie. Pourrais-tu pour une fois dans ta vie dire la vérité? Hein? Je suis venu vers toi avec un cœur honnête. Je t'ai aimé sincèrement. Et toi, tu n'as fait que me mentir tout ce temps. Désolée, bébé. Bébé, s'il te plaît. Pardonne-moi. Ok, je t'aime de tout mon cœur, je le jure. C'est toi que j'aime, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je commence à croire que cette grossesse n'est pas de moi. Oh non, ne dis pas ça. Comment pourrais-je mentir à propos d'une telle chose? Oh, comment peux-tu mentir à propos de quelque chose comme ça? Tu te moques de moi? Tu as menti à propos de qui tu es? Ouais, qui c'est? Entrez. Frangin, tu es nuisible. Hein? Je pense que Collins t'a demandé de venir remettre cette voiture. Mon ami, tu vas la fermer. Pourquoi est-ce que tu cries? Pourquoi tu cries? Attends. Moi, je ne crie pas. Je ne crie pas. Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est au sujet de la voiture. Non, mais attends. Tu louais cette voiture? Oui, ce n'est pas ma voiture. Si t'avais pas menti, j'aurais pas eu besoin de faire ça. Ça va pas. Oh mon Dieu! Non! Pas ça! S'il te plaît, peux-tu me donner les clés? Mon frère, calme-toi. Donne-lui les clés! Toi, tu l'as fermé. Donne-lui les clés de la voiture, monsieur! Donne-lui les clés! Donne-moi les clés, il faut que je parte. Ah! Donc c'était un malin et demi. Un malin et demi, ya! Comme ça, nous sommes dans le même bateau. Toi et qui? Waouh! Donc, je sais que la méchante ici, c'est moi. Mais nous ne sommes pas différents. Non, non, tu délires, c'est pas méchant. Prends ton sac et sors d'ici. Je n'ai même pas envie d'être ici de toute ma vie. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi dégueulasse auparavant. Alors, je m'en vais d'ici, mon amour. Bye! Ah! Oh, merde! Que Dieu m'en garde. Comme ça, Emeka, tu nous as tous dessus. Tu n'as rien ramené. Tu es rentré juste pour combattre ton unique frère et à cause d'une fausse femme. Regarde-toi. Maman. Honte à toi. C'est l'œuvre du diable. C'est lui qui m'a trompé. Va libérer ton frère. Hein? Oui. Que je fasse quoi? Va libérer ton frère. Maman, laisse-moi te surprendre. Tu vois ton fils. Il est fauché. Regarde ça. Il n'y a rien. Comment vais-je faire ça? Si tu sais comment, tu as fait pour que la police vienne le chercher. Demande-leur de le ramener. Maman, allons-y, tu vas payer. Regarde. Dans tous les cas. Allons-y. Si tu ne ramènes pas ton frère aujourd'hui, mets une croix sur cette maison. Allons-y. Où est ma femme? Écoute, je ne veux pas de problème, ok? Ta femme n'est pas ici. Tu devrais aller la retrouver là où tu l'as ici. Laisse-moi tranquille. Tu veux voir de quel bois je me chauffe? Bro, je t'ai dit que ta femme n'était pas ici. T'es sourd ou quoi? Elle n'est pas ici. Ok. Hé! Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Écoute, tu veux tuer mon frère? Reste en dehors de ça. Reste maintenant. Dépose ce bois tout de suite et dégage ici. Sors de cette maison tout de suite. J'ai dit, dépose ce bois et sors de ma maison sur le champ. Je reviendrai pour toi. Qui est cet homme? Progressing, it's just a waste of time on its own. You don't make it not to know your real self. Wasted years is all what you're gonna get. It's a terrible situation with so much commotion. It's without no solution, so my dear, you got to live real, live real. Live real and live right. It pays to live real. Live real and live right. It pays to live right. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Oh, Guinée, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Si quelqu'un vient me chercher. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, non? Où est mon téléphone? Wakego, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Vas-y, raconte, Wakego, qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles de ce... Tu sais, il fut un jour où... Calme-toi et raconte. Wakego, qui te poursuit comme ça? Oui, Wakego. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Réponds-moi, qui t'a fait ça? Bon, Wakego. Hein? Parle, non? Allez, vas-y, vous. Je voulais te... Wakego, tu es ici dans ce village depuis hier. Et je t'ai demandé quel était le problème. Tu as refusé de me dire. Tu as refusé de me dire. Maman, ce n'est pas que j'ai refusé de t'en parler. Je m'apprêtais à te dire. Tu connais ce... C'est quoi? Ce jour que... C'est quoi, c'est quoi? Et le homme, au loin de moi. Où est-elle? Où est-elle? Hey, maman! Où est-elle? Non, mon Guinée. Où est-elle? Où est ta fille? Ok. Elle est là. Viens là. Viens là. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie, je vais t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, sors de là. Si tu appelles un commandant. Menteuse, tu pensais te cacher, n'est-ce pas? Je suis désolée. Tu pensais te cacher? Je suis désolée. Tu passeras le restant de tes jours si tu ne me donnes pas mon argent tout de suite. Où est mon argent? Laisse-moi tout t'expliquer, je t'en supplie. Viens là. Maman, Bicosienne, maman. Bicosienne, Dan, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. Dan, s'il te plaît, Bicosienne. Dan, s'il te plaît. Et si, Ado, tu n'es qu'une vulgaire menteuse. On y a assez. On a assez, moi. Hey! Fier quoi? Frérot, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, trouve la force dans ton cœur de me pardonner. Je voulais juste essayer de cacher mon déshonneur. S'il te plaît. Bon. Allez. C'est bon, allez, lève-toi, lève-toi. Merci. Bravo. C'est bon. Maman. C'est bon, ça va. C'est bon, ok. Ça va aller.